Oui, rentre pas dans le quartier. Vous faites quoi, bande de fils de pute, à rentrer dans le quartier là? Vous faites quoi? Non, il connaît pas, il Vous faites quoi, bande de fils de pute? Vous faites quoi, bande de fils de pute? Vous faites quoi, bande de fils de pute? C'est bon, j'ai pas connu. Venez, rentrez dans le bendo, rentrez dans le quartier. Rentrez dans le ghetto, dans le hood. Ça y est, je rentre. Vite, courez un peu là. Bah ouais, moi je vais faire v'là les persos hein. Moi mon but les gars, c'est si mon perso meurt, ma clique elle s'appelle genre, parce que au state ils font ça. Par exemple la clique à... Les Brick Squad et ben le chef il s'appelle il s'appelle Baba. Et ben Baba il meurt, la squad elle s'appelle Baba Ward, un truc comme ça. Ouais voilà, vous l'avez écrit. Ouais, allô. Allô Tariq. Ouais, il y a des mecs qui sont encore au quartier, je viens de les attraper là, je suis dedans. Oh écoute, on vient de se faire choper par Paco là, ce fils de pute de la Raza là. Ouais. Tu sais qui? Ouais, il nous a chopé. Il nous a niqué une arme, ce fils de pute. Arrête de mentir. Il nous a niqué une arme, je vais lui niquer sa mère aujourd'hui. Regroupement quartier. Vas-y. Et il y a Léon aussi, hein. Léon aussi, sa mère la pute à lui. Les deux. Vas-y, on va leur faire une D. Vas-y. Ouais. Levez vos mains là. Eh, Mojis, écoute deux secondes. Ouais. Il y a une malcompréhension. C'est ton compréhension. Hein, malincompréhension, vous rentrez tout comme ça, vous. Tu crois c'est. On n'est pas rentré. Envoie ta graille, envoie ta graille. Tu me raquettes là? Oui. Envoie ta graille. Tranquille, MJ, donne-lui, fais pas d'histoire. Ah. Pour ceux qui se font choper avec des drogues dures, ils prennent gros ou pas? Ah, ça, je sais pas, les gars. Les frères, arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de me poser des questions bêtes. Je sais pas, frère. Ça, c'est. On verra. Ceux qui payent, même si à mort RP, gardent leur avantage à truc perso. Bah ça c'est on est en train de voir là, ça commence à se passer. Mais oui, ah tu meurs pas avec ton VIP, c'est ça ta question? Ah tu meurs pas avec le VIP, wesh. On va voir un cheeseburger, Prends-le à lui, j'ai m'en donné qu'un ce bâtard. T'es susceptible? Non les gars, c'est parce que je vous jure, vous posez des questions vraiment très très bêtes, t'as vu. C'est comme si tu passes le permis, tu dis bonjour, je pourrais me garer dans un parking. Vous pensez vous rentrer chez vous? Elle dit c'est une malincompréhension. C'est ça. Hey, il connaît pas ce secteur là, je dis moi j'habite à côté, je suis un EHB. Un EHB toi? Je suis un EHB ouais, il connaît pas, je lui expliquais où aller une supérette. Envoie un burger ta grand-mère. T'as vu mon Jizz, regarde, écoute. T'as vu, je vais parler comme ça, normal, tranquille, par respect, et je t'ai dit que j'en ai pas. Fils de pute, je viens de te fouiller, t'en as deux encore. Bah vas-y, prends-les. Tiens, remise, prends. Bah oui, les gars, vous pouvez faire des civils, les entreprises, je vous expliquais. Elles sont toutes prises. Il y a un pôle justice, il y a flic, les civils, il y a les... Il y a de quoi faire à mort. Et si vous avez des idées et tout, on sera ouvert à faire. Mais dis-moi, c'est quel quartier ici, tu crois? C'est l'HKMG, HKGang. D'accord, c'est vous. Police, c'est complet. Bah, je crois qu'ils sont pas mal. Hein. Ouais, chef, dis-moi, je peux passer des preuves. EHB, à côté, les 3-3 à côté. Leur soude là. Non, juste là, là. Juste là, là, en face. Côté. Ouais, en face. Okay. Oh, t'es guide touristique, toi. Ah, non, c'est rien de chez nous, t'as vu. J'ai expliqué comment elle a une supérette, je lui ai dit prends à gauche puis à droite, il a pris à droite, il a pris à droite. Bah vas-y, barrez-vous, cassez-vous. C'est qui les gars? C'est deux bâtards, ils sont rentrés dans le quartier. C'est la Raza, ces fils de pute. La Raza, l'équipe, la Raza. Qui est rentré dans le quartier? Eux deux, c'est bon, ils sont barrés. On est pas rentrés, on était devant. Mon gars, il connaissait pas. Vas-y. Bah la prochaine fois, faut qu'il connaisse. Juste à ta droite, là, à ta droite. Il y a certaines règles à New York. Il y a certaines règles à respecter, il y a une hiérarchie. T'es le jument à Léon, toi, non? Une hiérarchie illégale. Je suis un HB. Non, c'est un EHB, lui. Vas-y, barre-toi. Allez, partez. Et passe le bonjour à Sevej. Léon, il est banni d'Harlem. C'est bon, pas. Fais-toi dire ça, attention. Va le dire. Léon, il est banni, je le vois, je lui baisse sa mère. C'est qui lui, c'est fils de pute? Bon les gars, c'est quoi la Raza? Faut leur faire boulot? Ouais, faut leur baiser la merde. C'est rien les gars, c'est rien. Ah, HB, ok. Bah oui.
Vas-y, venez, on va niquer la Raza. Mais Sony, t'as entendu? Pourquoi tu le dis pas, King? Les fils de pute. Mais toi, t'as fait quoi avec la Raza? La Raza, hier, écoute bien, là, je vous expliquais. Ouais. En gros, hier, je suis à l'hôpital. Non, non, même pas. J'arrive à leur quartier. Genre, en gros, je les ai jamais vus. C'est-à-dire que moi, je vais à leur quartier, je dis, ouais, ça va, tranquille, nanana, je suis venu pécho de la drogue. Et là, t'as un de leurs chefs, il vient, il me dit, mais toi, t'es un HK. Après, j'ai fait, ouais. Il me dit, allez hop, il sort le couteau, il essaie de me braquer. Après, moi, je dis, mais non, je suis pas trop avec eux, nanana, j'essaie de me rattraper. Il me ramène dans le hall, mais après, j'ai pas eu le temps, en fait. Il a pas eu le temps de me parler. Que le frérot, là, à ma gauche, il est venu, il a braqué. Balle dans la tête. Balle dans la tête, ou l'autre gang shit. Comment toi, Lil Mitch? Lil Mitch, c'est un nouveau membre du HK Gang King. HK Gang Gang Gang. Dans tous les cas, faut les baiser, tu sais pourquoi? Parce que ça aurait été. Yo, ça aurait été vraiment un HK, ça veut dire qu'il l'aurait découpé dans tous les cas. C'est ça, les gars, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça, on va les baiser, mais bah, c'est parti. Le problème, attendez, le problème, c'est que Léon, il m'a dit que eux, c'est ceux qui ont le plus de munitions et d'armes. Donc pour là. Ils viennent de prendre une arme encore. On va leur baiser. Bah, en fait. On va leur prendre deux armes. Hey, viens, on tourne, on essaie d'en trouver deux par deux. La vie de ma mère, je là, il traîne en mode la guerre. Là. Il traîne en mode la guerre. C'est-à-dire là, ça va jamais se rendre. Là. Vas-y, de toute façon, on va faire la guerre. Maintenant, il faut des munitions, les gars. Toi, t'as pas un rendez-vous avec. Ouais, mais j'attends. Moi, j'ai un rendez-vous. Dans 10 minutes, là, 5 minutes, un truc comme ça, j'ai un rendez-vous. Bah, vas-y, j'ai un rendez-vous avec toi, là. Ils veulent pas, moi, je suis un fils de pute, moi. Tout le monde achète des munitions sauf moi. Mais moi, laisse-moi aller, je vais. Parce que en gros, c'est ma cousine, elle m'a branché. Brancher, et après, moi, je branche direct. Frérot, je suis branché avec lui, je l'ai appelé, il m'a dit c'est eux, mettez-moi, je dois venir vers toi, ce gros fils de pute. Cette salope de pute. Attendez, ça descend, ça descend. Attends, ça descend. Où allume, allume, ça va. Non, mais même, fais pas le con, allume pas. Hey, hey King, regarde, j'ai ramené un renfort. Ça, c'est des mecs solides pour la guerre. Je te présente. Passe-moi en tout cas. Les keufs, rangez, rangez. Oi, oi, oi. Rangez les pétards, les frères. Cadlo, les gars, cadlo. Sa mère, mais faut les allumer, les keufs. Hey, King. Cadlo, Sony. Arrête de mener ton groupe à la mort. Envoyez un truc à manger à boire, s'il vous plaît. J'ai même plus le magie, je crois pas. Bon, les frères, moi je fais une brick squad, moi, venez. Ouais, mais on a même pas de balles. Ouais. Il est au quartier, là. Donne-moi de l'eau, les gars. De l'eau, de l'eau. Il va où, pute, il va où? Oh, t'as pas, je vais chercher à boire. Oh, je l'appelle. Mais tu lui fais gaffe, tu lui fais gaffe. C'est la guerre, là, Miguel, là. Vas-y, c'est bon. C'est la guerre avec Léon et la Raza, la pute. Fais gaffe quand tu achètes à boire à Gray. Donne-moi à boire, donne-moi à boire. Vas-y, attends, j'ai faim, je vais chercher à l'eau. Donne-moi à boire, donne-moi à boire. Et Rebla. Vas-y, au quartier, ramène de l'eau. C'est bon, Miguel? Vas-y, on t'attend. Donnez-moi à boire, je vais. Y'a personne qui a. Va super être Brooklyn. Normalement, elle est ouverte. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? À boire, à manger. Pour nous nourrir. Y'a Miguel, il va ramener de la bouffe. Vas-y, moi je te paye fort. Descends, t'arrives. Mais on n'a pas notre pote, il est parti acheter. J'ai pas la tête de ma. Eh bah bon, regarde, fouille-moi. La Raza, il me chasse depuis tout à l'heure, regarde. Fouille. On te croit. Arrête, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Mais y'a pas le gouvernement ici, niquez vos mères, vous êtes pas les bienvenus. Des petites salopes de pute, barrez-vous, vous êtes pas chez vous là. Eh les frères, s'il vous plaît, venez, on baise. Regardez, écoutez-moi, King. Si on baise la Raza, on fait passer un message dans la ville. La vie de ma mère. Eh, barrez-vous là, barrez-vous. Vas-y. Non, les gars, tranquille. Attends, mais calmez-vous, les frères, calmez-vous. Bref, si on baise les Raza, on fait passer un message. Parce que même Léon, il lâche aux deux, cette salope. Et si on baise Léon? Mais Léon, c'est une petite pute. Mais on le baise. On baise les deux. Bah, vas-y, moi, on baise les Raza et après, on baise Léon. Voilà. C'est bon ou pas? Mais toi, mais ce gros suceur, il va jamais venir pour baiser Léon. La vie de ma mère, si, mais moi, je veux le baiser bien. Bien, d'un coup. Il m'a dit ça, Léon. Il m'a dit, c'est mon fils, t'arrives, tu feras jamais rien contre moi. Ah ouais? Il a dit ouais, c'est mon petit fils, la fourchette. Il va rien faire. Clagé qui nous guette, les gars. Clagé. Attends, vas-y. Je sais pas, y'a deux renois. Attention, baissez la tête, les gars. Vas-y, on peut bouger d'ici, on commence à trouver des trucs et tout. Y'a Rebla aussi, les gars. Allez chercher une voiture, Allez, venez, on y va. Viens au Pinel. Attends, moi j'ai encore un mec. Hey King, moi c'est sûr ils vont me chasser, moi je suis la priorité hein. Si t'es avec moi, tu vas te faire péter. Il vient de me faire péter là, tout de suite, moi aussi il me cherche. Écoutez-moi. Tiens, je descends.
mais c'est mieux, t'es le chef, faut que toi tu sois rare à attraper. Dis-moi pas. Je vais me faire buter, nanana, comme si. Tranquille, je descends. Après, il est susceptible, King. Mais monte, King, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux descendre? Pour toi, je vais niquer Léon. Mais monte, monte, King. Mais on a encore un mec. Je vais à pied, moi. Y'a Bachar, y'a Bachar. Mais non, va. King, arrête. Monte, monte. Mais j'attends la voiture. Vous avez vos armes de sortie ou pas? Attends, attends. Vous avez vos armes de sortie ou pas? Il veut pas monter, King. Ouais, c'est mais bon, parce qu'on a encore un mec, nous. Là, t'as que la voiture de la guerre, hein, au Pinel. Hein. Fais pas le trou de balle. Hein. Je tire pas la voiture de la guerre. Voiture de la guerre sans balle. Ah, c'était eux, c'était eux. Ils étaient combien? Il a fait demi-tour. Ils étaient combien? Derrière, Buffalo, Buffalo Orange. Ouais, là, chasse. Ils étaient. Ils sont combien dedans? Ils sont combien? Ils sont 4, je crois. Putain, on a pas de munitions, on a rien. J'ai des balles, moi, t'inquiète. Ah, ils se sont carton? Ouais. Quand je vais appeler King, je vais dire que ça me suit là, il va le guet-apens. J'ai un guet-apens. Ça rien, ça rien. Non, t'as pas de minutes. Mais non, pourquoi il est descendu? Mais pourquoi t'es descendu, ta grand-mère? Pourquoi t'es descendu? Sorti l'arme. Hein. Allez, vas-y, on peut être qui tu veux là. Va voir la Raza, ce fils de pute. Léon, je le vois, je le baise. En fait, t'as le problème, c'est on doit rien faire, les gars. On a pas de balles. On a pas de balles. Là, faut attendre le rendez-vous. Et après, on fait le nécessaire. Qui t'appelle? Allo, Paco. Ouais, Paco. Toi, tu veux vraiment que je te baise? Mais comment ça? Je t'ai dit rendez-vous. Envoie-moi la poche, j'attends le rendez-vous. Attends, attends, attends. Tu m'as dit quoi à propos de. Des habitants là, les deux trous de balle là. Ouais. Et Tariq. Nique ta mère. De quoi? Quoi je t'ai dit quoi? Je t'ai tu m'as dit quoi? Tu il m'as a rien quoi à voir avec nous, je t'ai dit. Ok, pourquoi il était dans ton set là? Parce qu'il vient toucher de la drogue normal comme d'habitude. Ouais, il vient toucher de la drogue. Hey, je vais vous baiser vos mères, vas-y, regarde. Mais pourquoi? Parce qu'on le vend de la drogue, tu veux nous baiser nos mères? Ben nique ta mère, fils de pute. Eh ben je vais te faire la guerre, fils de pute. Alors, voilà, vas-y. Ouais, passe au quartier, j'ai le bail pour le receleur. Envoie son numéro à Patron. Envoie son numéro. Ah non, tu m'as eu toi, Léon, Big Léon. Vas-y, j'arrive. Insulte sa mère, elle aussi. Insulte-le, insulte-le. Va aller où, là? Léon, il veut me voir. Oh, en gros, il a le contact, je sais pas quoi, du receleur, je sais pas quoi. Vas-y, vas-y, dépose-moi ici. Attends. Pas voir ce fils de pute, je le vois, je l'allume. De quoi votre conflit? Eh bah, il vient, il me prend une arme, il me dit Tariq, je sais pas quoi, il a fait quelque chose. Je dis Tariq, il est pas avec nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais vas-y salope. Ah ouais tu vas dans le quartier ennemi, dépose-moi là la moto. Elle est où? Attends je te trouve une moto. Ah ouais bah au Pinel la dernière fois t'aurais payé. Ah putain. T'aurais pété son arme à Blacky. Tiens là, vas-y. Son pétard. Attends, il baisait sa mère. Lui il est là, je vais le baiser. Il est où l'autre? Dis-moi pas que c'est fait péter. Attends, je l'appelle. Dis-lui, nous rejoins quartier Léon. Ouais. Moi, je vais faire l'acquisition. Juste à côté de votre quartier, du coup, je veux savoir. Ok. Poser problème par rapport au voisinage, ce genre de choses. Attends, quelle maison tu veux? En bas ou en haut? Parce que en haut, c'est que pour nous. Non, juste à côté, là-bas. Ah, en haut, les immeubles, là? Oui. Oh la gang shit. C'est là-bas, là. Ouais, ça, je m'en fous, je gère pas ce truc-là. Ok, ok. C'est bon, juste pour savoir. C'est bon pour moi. Vas-y. Très bien. T'as la puce? Ouais. Ciao. T'as les pièces d'or et tout ou pas? Sur moi là? Ouais. Bah non. Ok. Ah, tu connais la mélodie, hein? Je vais lever tes mains. Oh lolo, eh ouais, chavé. Fils de pute, eh ouais. Allez, ouais, de fils de pute, j'ai encore. Bagnole. On voit pas Pavel. Grand-mère, barre-toi, s'il te plaît. Bien, me dites pas, c'est la race live ou quoi, les gars. Juste pas ça. Moi ton pétard ainsi que ton téléphone s'il te plaît. J'ai rien à voir, en vrai je peux partir moi. Laissez partir son acolyte, j'en ai rien à foutre de lui. Ramène-toi toi. Moi j'ai un bif avec toi, ramène-toi toi. Mais j'ai fait quoi moi, Whisper? C'est grave dans le reblat. Mais je stream tes sons, Whisper, qu'est-ce que tu fais? Mais les gars, je peux pas savoir, il veut me péter. T'inquiète, Pavel, il nous paye bien cher pour lui. Ah c'est les Russes, ces fils de pute. Ok, bon c'est bon les gars, plan est en marche. Plan est en marche, c'était ce que je cherchais. Ah tu connais ma gueule, nous on s'en bat les couilles de qui est qui.
Bah qui est qui, en tout cas il paye bien cher pour ta gueule. Combien? Un sacré billet. Eh combien? Eh ils m'ont pété, ils m'ont pété sa grand-mère. Putain, ils vont te tomber hein. Ah ça bat les couilles les gars, vous allez me livrer, on s'en fout. Je le préviens. Oh juste pour toi qui va passer un misère à celui qui va nous suivre. Ah non. Mais toi je vais te dire, Léon, toi t'es un fils de pute toi. Mm-hmm. On est ensemble ou on est pas ensemble? On est absolument pas ensemble. Eh ben nique ta mère. Ouais Pavel c'est beau, je l'ai. Et je te le ramène chez toi au pire. T'es vers où là comme ça je me rapproche? C'est bien petit que t'attaque, bien vu. Dans Brooklyn? Moi je t'envoie une position. C'est que je vais mourir là Léon hein. Je leur ai fait trop du sale moi aux Russes hein. Mais espèce de trou du cul, ils me braquent, ils m'ont braqué. Putain t'es con, sale merde. Ouais vous m'entendez ou gars, le pas ou gars ah, ouais. C'est bon ouais, ouais, nickel que, ouais. Vas-y ouais. Nickel. Moi vous m'entendez bien? Ah bah non. Ah, vous m'entendez bien ou pas les gars? Pas bien, pas bien, toi pas bien. C'est bon? Ouais les gars, ouais 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 ouais. Mais je rigole, c'est un prank. Tu casses les couilles. Vas-y, russe de fils de pute là. Enfin, le groupe, hein. Ouais. Ouh là là. Pourquoi vous le tuez? On en finit ou? Ben, je crois bien. Manque de respect comme ça. Un manque de respect? Tu finis couché. Il a manqué de respect. Putain. Juste les gars, si vous le raquettez, passez-moi son argent, s'il vous plaît. Non, bon, prends lui. Non. J'ai pas d'argent, messieurs, j'ai pas d'argent. Non, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais avoir juste confirmation. Cimer X. Bien là. Ah bah voilà. Je veux un sub goal. Les gars, tatouage, je me tatoue. C'est lui qui t'a manqué de respect. Attends, je vois son tête. Comment tu t'appelles, toi? Tariq. Ah mais c'est moi, oui c'est moi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe Ivan, c'est ça que tu me fais Ivan? Ivor, arrête de me parler comme si j'étais ton camarade. Là tu vas assumer un petit peu tes actes. C'était que des mots hein, c'était que... Des mots. Pourtant t'avoir prévenu, moi t'avoir pas manqué respect même quand tu m'as soulevé. Tu m'as pas prévenu, tu m'as rien dit. Tu m'as dit que t'étais une merde, que voilà, que t'étais personne. Une merde, c'est ça. Non, mais en gros, tu m'as dit que t'étais personne. Moi, tu m'as rien dit du tout, moi. Da. Et pourtant, moi, pas être orgueilleux avec toi, avoir discuté tranquille, être coopératif, t'avoir donné l'argent, te demander de me laisser partir. Pas pourquoi faire gros coup. Vas-y, les gars, on y va. Arrête, gère bien ton cas. Vas-y, Daniel. Vas-y, les. Montez ce souka là. Oh. Bien vu. Viens, Tariq, viens. Montez le souka là-dedans. Mais moi je savais pas monsieur que c'était la mafia. Souka. Je vous jure je savais pas. Je l'ai pas pris au sérieux Ivan. Et Ivor. Allô. Mais nous on va t'apprendre à prendre au sérieux les gens Tariq. Là c'est bon, je vous jure j'ai compris, pardon. Non, t'as pas bien compris encore. Mais moi je... Ivan, dis la vérité, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit moi. Je t'ai dit oui, arrête de me genre des personnes, tu m'as dit oui, moi je suis rien, j'ai pas d'équipe. Moi je pouvais pas savoir. Pardonnez-moi, please. Tu peux parler américainski. Les gars, comment tu parles en russe? Je peux pas sortir avec des pardons. Moi y'a un truc qui me dérange. Déjà les 3 000 $, ils sont où? Je vous les ramène, j'appelle mon ami, il va les ramener. Même la monnaie finale, j'en ai rien à foutre. Non, mais non, y'a pas besoin, chef, y'a pas besoin. Ok, toi, manque de respect. Attends, moi, t'avais une position. La vraie question, Tariq, pourquoi m'avoir kidnappé? Pourtant, moi, jamais t'avoir fait quelque chose. Parce que je fais ça, 316. Parce que je braque tout le monde, moi, c'est comme ça, pour m'en sortir. Mais toi, devoir avoir une question psychologique, il peut être normal de faire ça. En plus, tu peux pas savoir ce qui tombait. Parce que je suis dans la merde, messieurs. Voilà ce que pourquoi je fais ça. Là, t'es encore plus dans la merde. Ouais, mais ma vie, c'est de la merde, de toute façon. Mais au lieu de me demander aide, peut-être que je t'aurais pu aider.
kidnappé, rien du tout, pour rien, rien kidnappé en plus. Mais moi je savais pas, tu m'as dit que t'étais rien, que je sais pas quoi. Et... D'avoir juste dit que j'étais en service. Donc en gros, si je comprends bien, quand les personnes sont des personnes, on va dire, normales, qu'il y a personne derrière, tu fais les grosses couilles. Par contre, quand il y a des personnes où tu sais que tu peux pas jouer justement les grosses couilles, tu te fais caca dessus. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. Bah, c'est normal, c'est la loi du plus fort, quoi. Bah ouais. Ah, t'as bien compris en tout cas. Alors, Tariq, être clair avec toi. Nous pas être petit gang de rue, ni clic, ni rien du tout. Pas le temps pour ces conneries. T'as vu, je viens de payer des gens, Tariq. Beaucoup trop cher pour ta tête. Mais fallait pas, je vous jure, ils m'auraient appelé, ils m'auraient dit viens, je serais venu. Ça, t'as bien vu comment j'agis, comment je suis, je serais venu. Non, mais là, à l'heure actuelle, maintenant tu nous as insulté des putes, tout ça. Que dois-je faire avec toi, du coup? Je te mets une balle tout de suite, là, maintenant, on termine? Bah non, ça sert à rien, ça. Ah, ça sert à rien, du coup? Bah, je m'excuse. Je m'excuse, déjà. Non, tes excuses me serviront à rien, Tari. Pour le manque de respect, c'est sûr, ça me servira à rien. Je deviens votre pute. Je cherche pas de prostituées dans mon bar, merci. Mais non, mais j'agis pour vous, je travaille pour vous gratuitement. Ah, très bien, ça m'intéresse. Regarde, je t'ai vu tout à l'heure avec les HK dans leur quartier. C'est tout ça? Oui, c'est ça. Alors je veux. T'es armé, Tariq, je présume. Ouais, mais j'ai pas de munitions, j'ai rien. Et moi, si je sors là, je vais mourir. Comment ça, tu vas mourir? À la Raza, ils veulent me tuer. Raza. Ah, la Raza. Ah oui. Pourquoi te tuer la Raza du coup? Parce que c'est la loi du plus fort, voilà. Mais pourquoi venir dans ce terrain alors que tu n'es personne? Bah si, moi je traîne avec les HK, moi. Bah, j'ai fait des trucs. Qui est les HK déjà? HK, c'est... C'est une clique, un set. Ils sont en guerre avec Léon. Ils sont en guerre avec Léon, les HK. Ouais. Et moi je traîne un peu avec eux. Je suis pas un HK, mais je traîne avec eux. Ouais, écoute, ça va être simple, il faut arrêter de, au bout d'un moment, de parler pendant des heures pour rien. Evol, appelle les HK, donne-leur la position, on va le donner aux HK. Fin d'histoire. Okay. Mais les HK, c'est mes potes. Le groupe là, qui vient de dire, ah, Naza, ou Zaka, ou je sais pas quoi. Appelle-les tout de suite. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Non. On va pas donner à la J'en ai rien à foutre. Écoute, je vais pas te mentir, on a perdu du temps avec lui. Donc on lui donne et fin de l'histoire. Lui être personne, être bête, ça doit avoir beaucoup de con. Ah oui, moi je peux vous être utile, monsieur, moi. Et utile en quoi? Vas-y. En quoi? Bah, mais moi j'ai fait des trucs moi dans ma vie. Le casino, c'est moi qui l'a braqué. Voilà, allez hop, je le dis moi. Le casino, je l'ai braqué. J'ai braqué un convoi de la police. Je suis en embrouille avec beaucoup de gens. Mais avec Léon. Attends. Mais non, mais moi. Attends. J'ai de la famille. Là, on est dans le gouvernement. Tariq. Oui. Avoir des grands contacts au gouvernement, sur ça, tu pourras pas nous mentir. Avoir des personnes au place du gouvernement qui travaillent pour moi. Oui. Ma cousine et mon cousin, c'est un procureur et secrétaire d'État ou je sais pas quoi. Ok. C'est quoi le prénom du procureur? Sonny et le procureur. Ouais, j'ai oublié son nom, mais je vous jure, je suis de leur famille. Okay, la famille à Robert, tout ça, là. Même vous les avez raquettés. Je comprends bien, c'est vous. Ça peut être nous, Tariq, Voilà, je peux t'expliquer un truc, Tariq. Nous, franchement, je te dis clairement, nous, on est la mafia Pushinskaya. On n'a pas le temps pour ces conneries. Tu vas nous devoir un vrai service. Oui, moi, je fais ce que vous voulez. Je m'excuse, pardon, je veux même travailler avec vous. On peut faire de grandes choses, je vous jure. T'as pris combien dans le casino, alors, si tu peux travailler? Ah, j'ai pris pas mal, hein. Enfin, j'ai beaucoup de pièces d'or, Tu vas savoir où les vendre, ces pièces d'or, ou pas? Non. De moi connaître quelqu'un. Tu auras cette pièce d'or, diamant, etc. Vas-y, je vais pas te mentir, Pavel, ça va être simple. Là, je vais parler pendant deux petites secondes, après moi, je remonte voiture. On est devant une personne qui a manqué de respect à une personne de chez nous. Premièrement, deuxièmement. Je savais pas. Laisse-moi finir de parler. Souka, ferme-la quand il parle. Ça fait 4 minutes qu'on est devant lui. 4 minutes qu'il fait que de se balancer.
Lui, demain, il y a quelqu'un d'autre à notre place, il va tous nous balancer. Donc à partir de ce moment-là, appelle les personnes qui le recherchent, on le donne et qu'il va se faire. Il est con ou quoi, wesh? Mais j'ai balancé qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'ai balancé qui? Je raconte ce que moi je fais, j'ai pas balancé ce que j'ai. Ce que. Ben, j'ai pas balancé des gens. Mais qui avoir fait le casse du casino? Ben, c'est moi! J'ai pas balancé quelqu'un. Pas que toi être avoir le cerveau beaucoup trop vide pour faire le casse du casino. Bah si, c'est moi, bah c'est moi, bah je vous le dis, c'est ce que je vous dis, moi j'ai balancé personne. Donc toi là, en gros, tu me dis que tu peux faire le casse du casino tout seul avec ton cerveau. Bah ouais. T'as besoin de 4 personnes pour sauver un citoyen tranquille assis sur piéton. Moi, je fais tous les casses possibles, moi. C'est juste ça, moi. Je fais tout ce qui est possible, moi. Regarde, Eric, ça va être très simple. Oh là, il accélère la scène RP, on dirait. Il a un train. C'est bon, c'est clair pour toi ou pas? Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. Attends. Va, plus vite. Ça va et toi? Non, plus je crois avoir quelqu'un qui t'intéresse. Oh lolo, il me livre au hasard, les gars, je vais c'est le certain, Tariq. Mais ils sont bizarres, eux, wesh. Ah, mais parfait, j'attends, alors je te rappelle. Parfait. Mais c'est quoi ces clowns? Tariq, regarde, ouais. Dernière solution pour toi, tu me proposes quoi avant que je te donne à la rasa? Bah donnez-moi la rasa, allez-y. Hein. C'est bon, je te passe à la rasa. Ouais, bah allez-y, moi qu'est-ce que vous voulez? Je m'en fous, moi. C'est pas, ils vont pas me tuer, c'est une embrouille de merde, ils vont me quoi? C'est bon. Ils vont me tabasser et puis voilà. Pourquoi vous... Franchement, nous pas connaître les histoires de rue, Tariq. Ah, moi je sais pas, vous voulez que je vous dise? Attends, c'est simple. Tu dis qu'on peut compter sur toi et que tu es prêt à tout. On est d'accord? Bah oui, bah oui. Tu as les couilles pour tout faire. Tout, n'importe, peu importe. N'importe où. Bah oui. C'est simple, garde ton téléphone sur. On va te proposer une... Si t'arrives à faire ça, tu auras les couilles rempli d'argent, c'est bon pour toi? D'accord, oui, moi c'est bon, moi je savais pas, mais j'ai entendu parler de vous, vous avez racketté ma famille. Mais je savais pas comment c'est vous rencontrer. Robert, vous avez pris 7000 ou 8000 dollars. Ah, Robert, si. Voilà, ben moi, regardez, moi, pour Robert, j'ai fait beaucoup de choses. Par exemple, les Asiatiques, elles l'ont tiré dessus, moi j'ai attrapé les Asiatiques, je les ai dépouillés. Mais vous, quand il m'a dit vous avez pris 8000, il m'a expliqué qui vous êtes, j'ai rien fait. Pourtant, demandez à tout le monde, moi j'agis direct. Mais vous, j'ai rien fait. Bah, je savais, mais là, quand lui, bah, je savais pas qu'il faisait partie de ça, là. Là, maintenant, je sais, écoute. Je m'excuse, je veux me rattraper, et je veux travailler avec vous, moi. De toute façon, j'ai quelque chose pour toi. Juste garde ton téléphone. Non, mais les gars, je crois qu'il... On verra si... Et Tariq, nous, on peut faire de grandes choses. Bah oui, mais moi, je veux. Non, parfait. Allez, on va jeter ces... Tariq ailleurs et on y va. T'as conduit. En fait, je crois qu'il faisait exprès du bluff ou j'ai pas compris. Mais pour les pièces d'or, vous avez vraiment un contact, boss? Da. Avoir un contact. Faut avoir mon numéro, Tariq. Avoir pris tout à l'heure au choqué. Ah, moi, je. D'accord. Tariq, mon dernier. Oh, pas grave. C'est bon, vas-y. Non, je pense qu'il bluffait, les gars. Il bluffait. Par contre, Tariq, je sais pas ce que t'as fait à la rasa. Ils te veulent vraiment. Ah, mais c'est une embrouille de quartier, quoi. C'est. On tirait dessus, je leur ai tiré dessus, voilà quoi. C'est pour ça, moi je. Par contre, attends, comme ça on se dit les choses. Là, je te préviens. Comme ça, y a pas de je sais pas, j'étais pas au courant. La prochaine fois que tu manques de respect à un russe, on te finit. Comme ça, au moins tu le sais. C'est bon. Tous les russes que je croise, je les suce, boss. Ah, y a pas de sucer. Faut sucer, boss. Moi, je suce, boss, je suce. T'as vu quand t'as pas demandé ce que tu fais avec ta bouche. Toi, tu veux travailler avec nous, avec mentalité de faire de bite. Mais non, c'est en gros façon de parler, c'est une métaphore. Non, regarde, moi avoir été coopératif, avoir été tranquille. Oui, mais moi, je suis une crapule, désolé, c'est vrai. Attends, moi, pas t'avoir rendu les deux droits que tu m'as donné. Attends, je pourrais, mais pas faire, parce que toi, être jeune, petite merde. Pardon. Mais descends, Tariq. Pardon. Garde ton téléphone, Tariq, près de toi. Oui, il est collé à moi. Ouf, enfin, bonjour. Désolé, hein, j'ai un problème avec mon téléphone, je crois. Vous allez bien? Ah si, parce que je voyais deux numéros différents, du coup je savais pas qui était qui. Non, parce que j'ai eu un problème là, j'ai été kidnappé par des russes. Ah, par les russes? Ouais.
Vous les connaissez? T'es encore vivant? Si, on les connaît bien, si. Ah, quoi, c'est vos amis, pas vos amis? Oh, c'est des connaissances. Non. Si, voilà. Non, non, moi, je suis là, c'était une petite embrouille, quoi. D'accord. Putain, t'as fait déplacer des Russes, putain, je sais pas ce que ça fait, mais la vache. Bah, j'ai croisé un Russe et moi, je le... Bah, je savais pas, moi, que c'était quelqu'un, donc je l'ai... Je l'ai... Bah, je me... Je lui ai fait du sale, quoi. Et après, bah... Ah, ils ouais, se sont présentés. Et... Vas-y, c'est pas des vendeurs, ça, non? Est-ce que j'ai compris? Si tu leur fous la misère, ils tirent facilement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Russes, quoi. Et... Mais du coup, ouais, ma cousine, Sunny, elle m'a dit que vous, vous étiez des... que vous avez la possibilité de revendre beaucoup de choses. C'est... Et moi, là, je suis à la recherche de ça, là, depuis plusieurs jours. De gens sérieux avec qui bosser dans la totale discrétion et puis voilà quoi, faire de l'argent, que ce soit donnant-donnant, okay, tout simplement quoi. Et ta cousine, ce Sonis, hein, c'est ça, elle t'a dit qui on était ou pas? Non, pas du tout. On fait partie des Delombré, je sais pas si tu connais ou t'as déjà entendu parler. J'ai entendu. On gère un peu tout ce qui est drogue, hein, l'amphétamine principalement. Et ça arrive qu'on a aussi des stocks d'armes, munitions, et... un peu tout quoi. Tout ce qui est revend, on vend. Ok. Après, niveau armes, ça dépend, t'en as besoin pour quand? Moi j'ai surtout besoin de munitions. Munitions, ça peut s'arranger, armes c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Munitions, ferme un peu les portes. Moi c'est surtout des munitions et beaucoup de munitions, parce que vu que j'en embrouille avec pas mal de gens. J'ai besoin de quoi de protéger mes intérêts, quoi. D'accord. Mais t'es de la famille à... Pardon? Qu'est-ce que tu fais, Armand? Bonne question, je vais tomber. Ouais, c'est ma cousine. Sunny, c'est ma cousine. Après, moi, je suis voilà, quoi. Je suis celui de la famille qui est pas dans... Je suis pas dans les mêmes affaires que eux, quoi. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'elle a travaillé pour le gouvernement. Toi, t'es pas trop dans le gouvernement, excuse-moi. Non, moi, je baisse le gouvernement, moi. C'est quand même pratique d'avoir une cousine dans le gouvernement. Ouais, c'est les ça. Les informations, etc. Totalement, hein, grâce à elle, bah, je suis là, là. Ok, t'habites que dans un quartier ou t'es tout seul? Ouais, je traîne un peu avec les HK. HK? Ouais, c'est ça. J'avais tapé le blindage, non? Le truc des armes. Comment? J'avais pas tapé le truc du blindé, là, avec les armes dedans? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est pas les... c'est moi qui les avais ramenés sur ça. C'est avec les CMB? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Alors. Voilà. Je veux voir en plus ton chef du coup des HK. Jamais eu de nouvelles. Ah bah après ouais, il veut voir en plus lui hein. Parce que eux aussi ils en ont besoin. D'accord, ouais bah facile. Pour les munitions, je te dis là, à peu près, ça serait 1000 ou 2000 dollars. À voir si les prix n'ont pas modifié. Ok. Et c'est possible d'en prendre là de suite ou pas? De suite, faut que je te redise. Faut que j'appelle mon fournisseur. Vraiment, et vraiment j'en ai besoin, je suis dans la merde là avec beaucoup de personnes et... Et j'en ai besoin là, de suite au moins pour dépanner quoi. Ok. Vas-y, je te recontacte Pierre, c'est mon pardon dans la soirée. C'est ça. Après, j'ai comment ça s'appelle aussi, j'ai... Vous rachetez des objets, des petits trucs? Je voulais faire comme toi mais... Attends. Nous non, pas pour l'instant non, c'est pas un truc qui nous intéresse pour l'instant. Vous connaissez quelqu'un qui rachète les objets de valeur? Du style bijouterie, bijoux et tout ça? Beaucoup de pièces d'or, des diamants aussi. Pas à ma connaissance, après je peux peut-être me renseigner, mais pas à ma connaissance, non. Ok, bah si vous trouvez ça, moi je peux vous donner un petit billet, quoi, en échange. Ça peut se trouver. J'en ai vraiment beaucoup. Je passerai un coup de fil et je verrai si on peut me donner information ou pas. Ok, nickel. On va voir s'il y a des gens qui possèdent ce business ou non. Parfait. Et aussi, si vous avez besoin de. Aussi de. D'un gars sur le terrain, si vous voulez que je vous ramène quelqu'un, peu importe la personne ou quoi, n'hésitez pas. J'ai des gars avec moi là, 2-3 mecs. Vous pouvez ramener n'importe qui, hein, qui vous voulez, vraiment n'importe. Bien sûr, n'importe qui. N'importe, même le président. Si je te demande un sergent. Ah ouais, direct, ouais. Mais pour combien? Tout le monde peut choper des gars du quartier d'en face, hein. Les poyos, ouais, moi le sergent, moi vas-y. Mais c'est lequel et pour combien? Lequel? Faut que je me renseigne sur son matricule. C'est qu'ils sont deux et il y en a qu'un qui m'intéresse. Son matricule, je le fais encore. Dès que tu l'as, moi je te le fais direct. Mais j'aimerais être le seul dessus. Hein.
Bah, si t'arrives à réussir la mission. Ah, moi, je le réussis. Moi, je la réussis direct, moi. Vas-y, bah, je me renseigne sur son matricule. Ok, nickel. Bah, parfait. Bah, écoutez. Tu l'appelles dans la soirée si c'est bon pour toi. Pour les nickel. Missions, vraiment le max possible. Moi, j'ai l'argent, hein, c'est pas un problème. Ok. Et si okay. Pour n'importe qui, hein, n'hésitez surtout pas. Ok, parfait. Bon, bah, parfait. Vas-y, c'est bon. À la prochaine. Vas-y, bonne soirée à vous. À tout à l'heure. Ouais, c'est qui là? C'est qui, bande de salopes? C'est qui? Du coup? De salope, moi je vous baise, moi, la rasa de mes couilles. Rasa de mes couilles, moi je vous baise. T'es bien dans vos têtes, hein, moi je vous fais la guerre, moi. Tu fais la guerre de rien du tout. Non, j'ai faim. Petite graillance. Oh, j'ai écrasé qui? Eh, je l'ai fait craquer leur grand-mère. Oh, ils vont me frapper. Allez, ah, bâtards, ils ont ramené une moto. Allez, ah, bâtards. Par contre, ça c'est chaud, sa mère. Hein. Allô? Allô, allô, hey, ils ont mis une moto à mes couilles, sa grand-mère, ça c'est chaud. T'es où, vous êtes t'es où, vous êtes où? Faut leur faire un guet-apens, je fais un guet-apens à la moto. On est vers le Bahamas là, on est vers le Bahamas. Bahamas? Et ouais. Je vous ramène où? Je ramène où la moto? Je sais pas, cousin. Je ramène où? Il y a une moto, rue, une moto sur la... son pont. La ruelle, t'as vu la ruelle du Bahamas. Laquelle, laquelle? Attends, va pas maintenant, va ruelle Bahamas, on va bloquer sa grande. Mais laquelle? La plus grande, la plus grande. Tu vois, la grosse ruelle là, tu passes dedans et nous on bloque. Ouais, mais il va jamais rentrer dans ça. À droite. Tu bloques à droite. Et si, c'est des trous de balles, ils vont rentrer. Tu bloques là, au fond, à droite. Mais c'est où? Je vois pas, c'est où? Là. Vas-y, je suis là. Vas-y. Vas-y, ouais, je rentre juste là. Je rentre direct devant le Bahamas, dans la rue. Direct. Vas-y, je suis rentré. Tu vois que tout droit, que tout droit. Je suis rentré, vas-y, bloque là, sa grand-mère. Vas-y, braque là. Vas-y, cousin. Oh là là. Monte. Mais non. Vas-y, venez, je lui mets une patate, venez, je le couche. Mais non, voilà. Fils de pute, viens ta grand-mère, viens. Ta mère, sale salope. Tiens. Viens, fils de pute, viens. Viens, fils de pute. Viens. Braque lui ça. Aïe. C'est bon. Oh, j'ai eu chaud, sa mère, la pute. Monte, fils de pute, monte. Fais un boulot, toi. Monte, là. Je vais avec vous, attends. Vas-y, je te vois. Vas-y, roule. Ah ouais, tu veux me faire le biker du type. Les gars, il est pas fair play, hein. Voilà, je vais mettre le coup de pied, normalement il joue son pain. C'est moi qui a mis le coup de pied, normalement il s'arrête, frère. Envoie ton 9. C'est quoi ton place, toi? Marco. Je vais te faire une, c'est dinguerie, toi, petite salope, va. Tu vas voir. Pas moi.
Tu vas voir. Je sais pas, j'ai tombé sur toi parce que c'est comme ça. Il est coucou, lui. C'est toi. Il est coucou. Parce que t'es là. Un monde de la rasa, Marco. Ouais, mon gars. Toi aussi, t'es tombé. Ah ouais. Mais moi, je suis pas tombé pour le coup de pied, moi. On va discuter avec ton chef. On va faire un rendez-vous sur une place publique et on va régler ça. Ma bite, on va te niquer ta grand-mère. Sang, bâtard. Envoie ton téléphone là. Envoie. Vas-y, attends. Ah là là. J'ai vu des rando entre nous. Les gars, bien sûr, je vais prendre son arme. Je vais le dépouiller, frère. Oh là là, c'est trop bien. Là, j'appelle au Pinel ou pas? On va les deux, je leur parle. Je sais pas, hein. Attendez, y a une dinguerie. Y a quoi? Fils de pute, j'ai son téléphone. Le premier message qu'il reçoit, cherchez dans le New Jersey. Fils de pute. Espèce de fils de pute. Toi, je te prends téléphone radio, mais de hein. Mais de quoi? Fils de pute, j'ai traqué ton téléphone, fils de pute. Mais dis quoi? T'as la lock sur Snap, c'est ça? Bah non, parce qu'ils nous ont vu, ils étaient là. Ah, ils nous ont vu, hein. Mets-toi en mode fantôme. Descends, ferme ta gueule, descends. Raconte le mur là. Mais de quoi? Mais y'a rien, moi ça me choque pas le message. Lève tes mains là. Tourne-toi, lève tes mains. Hop là. T'as quoi toi? Hein? On voit ton calibre là et les munitions, donne-les à mes gars là. Même l'argent, donne tout. On fait quoi de lui? Envoie. Je sais pas, vous voulez quoi? Pourquoi vous chassez Tariq là? Non mais c'est la. Mais de toute façon là c'est l'embrouille avec eux là. Mais en vrai j'appelle les autres, non? Mais c'est bon, t'as reçu là. Ah c'est bon. On voit les bastos avec. Allo? Ouais, allo, hey, j'ai pété un mec de la Raza là. Moi j'ai pété un mec de l'équipe à Léon là. J'ai baisé sa mère, ces fils de pute. Je vais lui demander deux armes à cette salope. Bah vas-y, vous êtes combien là? Bah vous finissez quand votre truc? Là on a bientôt fini, après on s'occupe de ces fils de pute là, de la Raza, c'est bon? Fais vite, moi je viens de l'attraper, ouais. Vas-y je le garde. Vas-y, garde-le, nous on finit ça vite fait, vas-y. Traîne avec de la Yaska toi sur toi? Bah t'es con toi. D'argent, ah ouais, du coup c'est vous la Raza, c'est ça? C'est ça, tu connais, on partage au petit. Enlève ton haut là. Décale-toi, Lil Mitch. Viens, Mitch. Je vais te mettre une bonne petite son. Un bon petit son, tu vas danser toi. Je mets quoi comme son? Un latino. Ouais. C'est des latinos, c'est ça? Ah c'est ouais? Ça, c'est ça la raza. Mec, il est comme moi. Y'a pas des infos dans votre compris. Tu vois? Eh, ferme ta gueule et danse là, danse. Danse, petite salope sur du High Spice, danse. Danse. Eh ouais, on fait danser la Raza, ces petites salopes, nous. Ah, vous nous traquez, hein. Bande de petites putes. La plus puissante. La plus puissante. La plus puissante. La plus puissante. Attends, on va faire une deuxième change de musique. Hop là, on est bon déjà, hop, on poste ça sur les réseaux. Ah là là, eh, c'est qui votre chef? Comment il s'appelle? C'est pas un Paco? Quoi? Paco, ouais, Paco. Ah, suisse d'appui. T'as son numéro, je vais l'appeler lui. Je sais pas, j'ai donné mon téléphone. Attends, je regarde si c'est possible. Toi, ça m'insulte, là, j'ai envoyé une vidéo de toi, ça me dit plus de ta mère. Paco, t'as pas de Paco, hein? Non, j'ai pas, mais regarde le groupe. Ah, mais y'a un tas de numéros dans le groupe.
normalement t'es mort là si on t'attrape, sale son frère, fils de pute. Ah, du coup, on te tue non, les gars, fils de pute. Il a dit quoi? Ils ont dit quoi? Il y a quoi? Ah, en gros, j'envoie une vidéo où ils dansent. Je le dis, ils s'amusent bien tranquille, les gars. Ça m'a dit nique ta mère, on va te baiser. On god. T'es au courant, t'es mort si on t'attrape, sombre fils de pute. Mais non, c'est affectif, les gars, c'est affectif ça. Ils font les John Wick du coin, ces fils de pute. C'est affectif, ils vous aiment bien dans le fond. Moi, je vous aime trop, les gars. Par pitié, me calmez-vous. Mais si on entend, les gars, les autres joueurs entendent. Mettez ça dans votre tête, les autres joueurs entendent. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog avec la Wulata Genshin Family en direct avec un membre de la Raza. Voilà. Voilà, tranquillement. Grand merde. Retourne là-bas derrière là. Et ouais, prends-moi en photo. Attends, attends, reste comme ça, reste comme ça. On lui a pitché sa grand-mère. Eh, prends-moi en photo. Et à ce qui paraît, hein, la Raza, de je ne sais où, de je ne sais quoi, c'est les plus forts. Reste au sol, reste au sol comme t'es là. Mais les gars. Là, c'est le Wulata Genshin. On vous baisse vos grands-mères en fait. Vous avez pas compris, wesh. Attends. Mais non, putain. Attends. J'ai trouvé une vraie pose. Eh, relève-toi et mets-toi bien. Tombe par terre comme une merde, en gros. Faut que tu sois genre, avachi. Partout, partout sur les réseaux, les gars. Partout, partout, ça grand-mère. Mets-toi par terre. Mais fais-moi tomber, fais-moi tomber. Eh non, tombe. Doucement, doucement, je vais... doucement, fais-moi tomber. Attends. Putain. Les gars, au tribunal, j'avais trouvé une pause. Attends, 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 attends. Aïe. Pose-toi, hé. Sitz carrette 2, fils de pute, fais ça. Fais ça, ta grand-mère. Mais moi, faut que je trouve une vraie pause, moi. Vas-y, fais-le, là. Attends, ma gueule, tu connais. Tu m'as brisé les genoux, j'ai du mal là. Non, moi ça va. Putain, y'a pas, wesh. Y'a pas des signes? Comment on fait les signes? Ça répond pas pour le numéro du préfet. Attends, bah les couilles, attends, on n'est pas à cette étape là. J'ai donné mes balles pour pas tirer. Cup. Gros gros verre de 1. Oh, allez, prends-moi en photo, prends-moi en photo. Impeccable. Attends. Sous prank. Remets-toi comme une petite salope là par terre là. Vas-y, vas-y, je vais... En mode cute, mais je suis un bungee. Ok, c'est posté sur Twitter la Big Famiglia. Viens, viens, prends-moi, ah, prends-moi une vraie photo. Faut qu'on le voit, on le voit en mode moi avec le calibre en train de boire du sprunk. Prends bien, hein. Attends, même attends, mon attends, outfit, attends. Tout. Non, je suis mignon, sa grand-mère. Je l'ai envoyé.
Envoie-moi par SMS. Comment je peux me lever? Non, reste par terre, reste par terre. Vas-y, je reste par terre. Et comment? Attends. T'as reçu? Ouais. Comment je mets Attends, site share aussi. Tac. Y'a quoi d'autre? Les gars, je mets quoi en truc? Pose pas la photo hein. Pose pas la photo hein, ils vont trouver l'endroit. Ah, j'ai pas posté. Oh lolo, mignon garçon. Bref. Vas-y, on fait quoi de lui? Les HK ils sont en train de niquer des mères là. Ils ont niqué les mecs à Léon, ils finissent, ils nous rejoignent. On va mettre une taxe à grand-mère, Allô? Hein? C'est qui? Bah toi c'est qui? Tu m'appelles? Je t'ai appelé? Bah oui, là tu m'appelles là. Mais non mais tu m'as appelé là il y a 30 secondes. Ah c'est Tariq c'est ça? Ouais. Ah ok, excuse-moi, c'est parce que j'ai pas ton numéro enregistré. Ouais. C'était pour acheter des clubs. La dernière fois tu vendais des clubs. Ah oui, et ça c'est ta meilleure technique pour pouvoir m'attraper, enfant de pute? Bah non, cousin. T'as pas une meilleure idée, je sais pas, porter coups, cherche-moi dans la street, dans la jungle? Mais je crois cousin, que je vends encore des clubs, moi, je vends des bastos, moi. Tout le monde sait que ça a déjà été réglé ton histoire. Pourquoi on te chercherait encore? Je sais pas, parce que vous êtes des enfants de pute. Mais c'est qui là? C'est qui déjà? Là, UBN fraîche. C'est quoi ça? Tout le monde sait que ton histoire a été réglée, cousin. Mais c'est qui UBN fraîche? UBN, c'est au Bronx, derrière le triangle, raquette. Ah la H-Block. Ouais, si tu veux appeler ça comme ça, ouais. Bah ça s'appelle H-Block, je te raconte toi. C'est quoi UBN fraîche, vous avez appelé ça bande de salopes à niquer l'histoire comme ça? Non, oh je vais, là, oh là, je là, déclare là. La guerre vous. Hey, vas-y viens nous déclarer la guerre, viens. Tu sais comment ça s'appelle H-Block? Urban vas-y, viens nous déclarer. Fraîche, je sais pas quoi, Urban rien Beats. Du tout, cousin. Oh là là, mais toi, ça va être rafalé. Appelez ça H-Block, cousin, après vous niquer comme ça le truc là. Oh allez, 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 allez. Fresh mine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Urban Fresh Mine. Il est trop con. Il est trop con. Oh, écoutez ce qu'il est en train de dire, il est trop con. Mais c'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Il est trop con. Vas-y, répète ce que tu viens de dire. Urban Fresh Mine, je sais pas quoi, c'est quoi? C'est quel set qui a pris? Comment ça s'appelle? Je sais pas. Viens, LTD Queens, viens, LTD Queens. Je peux pas là, je baisse des Razza moi là, je suis occupé. Ah, ouais. Jure, ils ouais. Sont où? Moto. Quoi, t'en veux un? Oh, ouais. Je te le vends, la vie de ma mère, j'en ai un. Ah ouais, combien? Bah, tu me dis, hein, dis-moi ton prix. Viens en taille, on change de pose. Monte, Marco. Mais non, dis-moi plutôt ton prix, c'est toi qui as le colis. Bah, réfléchis, rappelle-moi. Moi, je sais pas, moi, parce que moi, je vais lui faire une dinguerie, moi, à la base. Vas-y. Ouais, il a envoyé la pause, il a dit ils sont là. Non, mais il est bien con. Qui a envoyé ça? J'envoie, j'ai son téléphone, j'envoie des messages. Bah, là, regarde, bataille. Ah, tu sais que t'es grave con, j'ai le téléphone à ton pote, hein, trou du cul. Ouais. non, vraiment. Putain. Mais comment ils ont trouvé de... Comment ils peuvent être au courant que... Je sais pas comment ils nous ont trouvé, Maïji. En tout cas, là, il a envoyé la pause dans le groupe où j'ai écrit, où j'ai envoyé une photo de leur gars, il m'a dit ils sont. Après, ils l'ont dit à la base, New Jersey, ça veut dire que je pense qu'ils ont fui. Oui, ils ont fui de fond en fond. Ouais, bah ouais. T'as vu s'ils continuent là-dessus? Mais pars. Taille d'ici, prends la sorte, prends le. Prends le pont, le tunnel. Parce qu'on a mis une vidéo sur Twitter. Ah, bah oui, c'est Salva, fils de. Enfin, Lil Mitch. Ah, cousin, c'est des murs. On voyait que c'était là. Ah, non, voilà, moi, la vidéo que j'ai pris. Vas-y, tout droit. Ouais, je pense vraiment, ils ont fouillé. Vas-y, tout droit. Et hey, tu t'arrêtes à un moment donné. Et on allume la moto. Et tu t'arrêtes. Et hey, toi, descends pas, hein, fils de pute. Hein. Ah, mais j'ai pas de balle, sa grand-mère. Bref, je prends le volant direct, vous descendez, vous. Vas-y. Attends, prends un virage à gauche. Si, il y a la moto, vas-y, arrête-toi. Roule encore. Mais si, il y a la voiture. Il y a la STX. Non, mais ça sert à rien, vas-y, roule. C'est mort, le temps qu'on bat.
Putain, j'ai donné mes balles à un de vous deux, je sais plus lequel. Ah, tu sais qu'on va te tuer, hein. On m'en bat les couilles, hein. Surtout si tu continues à suivre. C'est quoi le numéro à ton chef de fils de pute, là? C'est quoi? Je sais pas, regardez mon téléphone. J'ai essayé, mais j'ai demandé le numéro, je sais quoi le numéro du préfet, personne n'a répondu. Appelle Opinen, il te l'envoie. Il parlait avec toi tout à l'heure, pas quoi. Attends, je lui demande. Allô. Appelle la Radza, ouais. Dis-leur s'ils continuent à suivre, on va tuer leur mec, là. Vas-y, dis-leur que c'est moi que je lui dis, c'est moi en gros, tu fais passer le message. Vas-y. Ah, moi je te tue, hein, sans aucune peine. Et ma mère, elle va pleurer. Ouais, on va même tuer ta mère. Elle va triste. Bah, les couilles. Et ma mère, elle va à la bagarre, je me raconte. Je l'allume, moi, je vais lui tirer dessus, c'est moi. C'est qui ma mère? C'est qui ma mère? C'est qui? C'est ta mère. Tu m'as eu. Vas-y, tu meurs pas. Vas-y, merci les gars. Ouais les gars. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu tentes? Qu'est-ce que tu fais là? Chef! Pour attirer chef! Mais là, ils font ça pour faire quoi? Oui, mais là, vas-y, imaginons, on s'arrête. Vous faites quoi après les gars? Parce que là, on le tue les gars, votre pote. Non, je sais pas, ils veulent juste discuter les gars, y'a rien les gars. Ah ouais, bah ils peuvent parler. Hein. Ouais, chef! Attends, hé! Ils sont que deux hein, dans la voiture. Hein. Là, essaye de les semer. Ah, donne l'école, ta mère la pute. Donne. Attends, mais vos gueules. Hey, essaye de les semer et. On essaie d'en péter une, hein. Une des deux. En fait, le truc, c'est quoi? C'est chaud, cousin Steve. Déjà, ah, mais au moins la moto. Et moi, truc. T'as vu le temps que je charme mon arme, les conneries comme ça? Ah ouais, pour... putain. Ta grand-mère. Ouais. T'es où? Là, je suis en train de niquer. J'ai besoin de vous là, la Raza ils me chassent, j'ai un de leurs gars là. Ah mais là dealer, t'as vu, ils se mettent dans une ruelle, on les ramène. Est-ce que tu les as appelés au Pinel? Il y a une autre troisième voiture là. Cousin, ça sert à rien, dis-lui. En fait ils font numéro, quoi? Mais ils font quoi? Ils font rien mon frère. Non, bah carré, allô, t'es tu l'as appelé, voilà. Tu l'as appelé ou pas? Ouais, je vais l'appeler mais là. Mais appelle fils de pute, va. Mais je suis en train de faire là, fils de pute, tu fais quoi? Je suis en train de te composer le numéro. T'as vu, je lui mets une balle. Je mets une balle dans la tête de son pote et je le jette moi de la voiture. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je lui mets une balle dans la voiture et je le jette de la voiture, hein. Non, et on les sème. Non, les gars. Ah si, hein. Non, les gars. Ah, moi je te le dis. Attendez, je leur parle. Les gars, suivez pas. C'est les gars, ta mère la pute, elle est dead. Je te baisse ta mère, moi. Nique Paco, nique la Raza et nique ta mère. Mais là, mais ensuite. Mais les gars, on va le tuer, votre otage là. Mais tu l'auras tué, ta grand-mère la pute. Mais il est con quoi, lui. Mais c'est quoi ça, moi? Les gars, prenez pas en compte. Tu me fais doucement rire, ta mère, la reine des putes. Je te bosse ta mère, hein, j'ai deux potes, je te nique ta mère. Que il est au téléphone, ce fils de pute. Que il est au téléphone, il est au téléphone. Mais que l'appeler là. Je les connais pas, les gars. Mais que fait la police? Mais du coup, on fait quoi là? On fait quoi? Je sais pas, je sais pas, frère. Je sais pas, parce que je présente pas les gens. Moi, je pense, les gars, vous m'envoyez le téléphone, je négocie. David, faut qu'ils allument leur cerveau, moi, m'en bats les couilles, moi. Je te tue et moi je pars faire ma vie, moi. Ma mère. Oui, c'est... Oui, c'est quoi ça? Mais arrête de crier, Lil Mitch, parce qu'après on s'entend ouais, pas. Ouais, parle pas, quand même. Désolé, lui. Ah, je vais même dans le Bronx chez vous, bande de fils de pute. Arrête, Lil Mitch, arrête. Ma mère, je vais dans ton quartier. Y'a la police, les gars, faites attention. Eh, tout, tiens-les. Roule et vas-y, on va voir, hein. Y'a qui qu'on parle? Faut pas qu'il me cartonne, s'il vous plaît. Dis-lui, tu traumatises New York, mec. Oui. Ouais, du coup. Du coup, c'est good, t'inquiète. On va le trouver nous-mêmes. Donc, là, j'ai un de leurs gars et ils me suivent. C'est sûr, ils prennent les ruelles. T'inquiète, je vais m'en occuper moi-même. Non, mais est-ce que vous êtes chaud? Moi, je vous paye. On passe à côté de vous, vous les allumez. Tu payes combien? Je sais pas, je paye 3000. 3000, mais tu sais le prix des armes, moi, des balles en ce moment. Bah, vous tirez quoi? 3000, 1000 les 10 balles, c'est rien. Vas-y, je te rappelle. Vas-y. Et la moto, tamponne là sa grand-mère. Hésite pas à Carton, hein, s'il veut faire le pneu, le BG.
Mais après, en fait, ils vont faire quoi? Quand ils vont nous braquer, ah, on a leurs gars, moi j'ai pas capté, moi. Ils vont tirer. Ah, je crois ils veulent nous mettre des têtes, hein, ils ont pas aimé ce que j'ai fait. Hein. Là, là, déjà, t'as plus les voitures là. Ah, parce qu'ils ont mis la cartonne ça, son pote. Mais il est au téléphone. Mais fais gaffe d'aller juste ici parce que ils peuvent nous attendre aux sorties, t'as capté? Juste rafale, mais gros, il tire. C'est. Ça pue sa mère, je comprends pas. Là, t'as appelé qui? Non, 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 je peux appeler. Pourquoi t'as appelé? Il prend pas de risque. Rien, ça. T'as appelé qui là pour qu'il leur tire dessus? Il faut des balles, mais j'ai donné mes balles à Nas, je suis trop con. Les HK, non? Je sais pas, des gens. Mais l'HK, je sais pas ce qu'ils font. Eh, comme ils spamment les poses de Caleb là, c'est un baiser. J'ai l'impression qu'il a pas appelé. Dis-lui, il envoie le numéro. Et moi, ce qui m'éteint, c'est qu'ils ont pris l'embrouille grave au sérieux. c'est l'embrouille du 7 ou quoi? C'est l'embrouille de la clique là. Du hein siècle, du siècle. Du siècle et du 7. En fait, ils sont plus derrière moi, mais ils envoient encore une dépose. C'est-à-dire, je capte pas. Vas-y. Regarde là, si tu te fais chasser, je vais juste te sortir de la galère, tu vois. Je te sors de la galère, je les prends, et comme ça, c'est. Toi, t'es bénéfique. Je crois que c'est bon là. C'est sûr? Je crois, attends, on va voir. Si t'es toujours dans la galère, je les prends, et toi, comme ça, tu t'es plus dans la galère avec eux. Vas-y, je te rappelle, attends. Vas-y. Eh, va New Jersey? Va New Jersey? Ouais, c'est ce que je pense que. C'était quoi ces voitures de fou là? Je sais pas, XLS noir. Il va tout au sud du New Jersey, sud. Vas-y, y'a la STX derrière. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mais la STX sont que deux, hein? Ils sont que deux, hein? Vas-y, regardez, je descends là, je descends. Ouais, mais s'ils allument, c'est. Allumez les gars, allumez. Ils envoient la pause. Hein. Ah bah, ils envoient les pauses. Hein. Les gars, on a pas d'armes. C'est mieux, vous tirez leur tchat. C'est un conflit. Toi, tu vas mourir, toi. Cher. Non, par pitié, les gars. Tuez pas. J'explique, si on sort là, ils nous suivent plus, je vais te tuer, moi. Mais non. Ah si, hein, je te le dis. Hein. Ouais, les gars, tirez, ouais, les gars. Ouais, ok. Marco. Pas très smart, ça, Marco. C'était une blague, les gars. Mais toi, t'es qui, toi, chez eux, t'es qui? C'est un petit con, il a zéro numéro, il a 3D, zéro message. Mais t'es qui, toi, chez eux? Oh, je te parle. Moi, je suis arrivé hier, les gars. Ouais, mais t'es un mec de la Raza. C'est ça. Moi, j'ai pas de numéro. Ouais, mais en gros, ils s'en battent les coups de ta vie, c'est quoi le truc? Je sais pas, hein. Moi, je tiens à la vie, hein. Mais t'es un membre à part entière de la Raza ou t'es non, 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 je suis avec. Elle part du New Jersey. Attends, ce putain. Putain, je t'ai mis le tunnel. Gauche. Ah, ils sont que deux, hein. Ils sont que deux, hein. T'as donné toutes tes balles à qui, toi? Moi, j'en ai que 6. À Bachar. T'en as combien, toi? Bachar, t'avais les balles. J'en ai 12. Pourquoi je m'as tout donné? Je sais pas. Parce que j'allais pas pour pas tirer tout à l'heure quand je voulais faire un mais truc. En fait, quand je conduis, je sais pas pourquoi, mais mon arme elle est jamais sur moi. Ouais, bah oui, parce que quand t'es conducteur, tu l'as pas. Vas-y, en vrai, pas les couilles, hein. Si t'es sûr, ils sont que deux? Ouais, mais ça sert à rien de. Le temps que tu descends, tu sors le truc et tout, c'est cuit. Ah, mais y a Linwich qui a. T'as capté déjà le truc qui sort et tout, vas-y, vas-y, vas-y. Appelle les autres, appelle je sais pas qui, hein. Il est en train d'envoyer des pauses. Hein. Ouais. Ouais, hey, ils me reçoivent. Là, je suis à Manhattan. Alors, tu veux qu'on t'aide? En fait, c'est ouais. Ça, tu vas juste dans une ruelle, vas-y. C'est tout, frère. Oui. Mais là, je sais pas quoi faire parce que j'ai un de leurs gars, mais ils suivent quand même. Bah, si tu veux, nous on t'aide, on le prend en otage et on le pointe avec une arme, tu vois. Comme ça, ils vont peut-être comprendre. Déjà...
Ah mais nous on a déjà des armes. Attends, ils les arrivent. on les a semés je crois. C'est bon, ils ont capté les gars. Attends. Mais non, ils se sont mangés je crois. Hein. Non, ils se sont mangés, il y avait là les voitures. Ils ont rien capté du tout. Si, ils ont capté, ils ont arrêté de fuir. Moi j'ai vu moi. Qu'est-ce qu'ils ont capté? Qu'est-ce qu'ils ont capté? Ils ont capté quoi? J'ai capté, c'est quel genre d'humain? Va te faire enculer, Marco. Comment ça, quel genre d'humain? Elle dit c'est fou la haine. Oh, faut que je mange. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas comprendre plus tard, Marco. Elle dit c'est fou la haine. Ici. On va changer de voiture. On change de voiture, ouais. Ah, on va changer de voiture. Va quelque part, putain. Va dans le tunnel, va dans le tunnel. Vas-y, arrête-toi, on attend une voiture là. Frérot, on va même à l'hôpital. Rebla derrière, Rebla derrière. Y'a un Rebla, même devant, vas-y, pour en prendre. Par contre, Rebla, okay. S'il nous chasse avec le Rebla. Les gars, paniquez pas, les gars, ils vont pas. Envoie les balles. Tiens, on avait quoi? Je sais pas, j'en ai 6 ou 7. Donne-moi en 6. Va derrière. C'est bon. Va derrière ta grand-mère. Descends, c'est bon? Non, je les ai pas eu, t'as donné à qui? Tiens. Vas-y, montez. C'est bon? Vas-y, sortez vos armes. Vas-y, monte. Pendant tout l'hiver, pendant tout l'été, monnaie que l'on fait. Bon, on en fait quoi? Je sais pas. Déjà, prends une corde et attache-le là, attache-le dans la voiture, attache-le au siège. Vas-y, Mitch, attache-le à sa grand-mère. Vas-y, je l'attache là. Ah, ils nous ont perdu sa map. Appelle. Vas-y, doucement là, doucement. Attache-le. Tranquille. Ouais, MyG. C'est qui, cousin? Tu nous suis depuis une demi-heure, tu me demandes c'est qui maintenant? Je sais pas, attends, j'ai les mains moites, putain, tes gars ils me suivent là, attends. J'ai su mes mains là. Ouais, ils me suivent là, ils t'envoient les pauses depuis d'ailleurs. Mais t'arrêtes de serrer, cousin. Tranquille, je serre fort. Vas-y, OP. Fort et doucement. 8 jours après, je vais leur dire d'arrêter. Je crois que c'est le chef. Vas-y, on fait quoi de lui? On leur demande quoi? Une taxe de fils de putain, ils ont... Ah là, attends. Là, c'est une... Attends, j'appelle un mec, je vérifie un truc. Mais là, t'as le téléphone. Allô de Marco, là. Ouais, t'es où? C'est bon, là, je l'ai, là. Je les ai semés. Vas-y, envoie-moi la pause, on arrive. On a fini là. Mais viens qu'avec des mecs armés, ramène-moi pas des oui, mecs sans armes, j'ai tout baisé. T'inquiète pas, frère. Je me dis pas, t'inquiète pas, à chaque fois vous faites ça. Bah t'inquiète, on est trois là, trois armés, vas-y, juste envoie la pause. Vas-y. Vas-y, je t'envoie. Vas-y. Descends. Des sacrés souvenirs ici. Bah toi je vais mettre la photo. Les gars, nouveau post Insta. Tranquille, ouais. C'est ouvert la fenêtre. Je les avais lâchés tranquille. En vrai. Non, la clim, tranquille. En plus t'es torse nu en plus, ça va. Ah t'inquiète, on se rappelle, t'inquiète. Ouais mais t'as vu, je suis beaucoup mieux. Fais pas chier Marco. Ce qui t'a appelé? Les regarde mon post Insta, regarde. Mettez un petit like hein. Ok. Allez vas-y, il a même pas Insta ce connard de merde. Attends, je compte. D'ailleurs j'ai rien sur mon téléphone mais... Insta. Avec ma pute de... T'as vu la localisation? Attends. Eh les gars, c'est pas moi. Elle veut me gérer, les gars, ma follow. Non, faut pas que je fasse ça.
Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog avec la Wulata Gangshit Family en direct avec un membre de la Raza. Bref. Voilà, c'était quoi la mission là? J'ai pas capté trop. On fait notre vie direct, là. Avec un membre de la Raza. Qui a donné le. Vu qu'apparemment ton chef il était pas au courant. Attends, y'a du renfort là qui arrive là. Je te parle, Marco. Oh, nouveau match, sa grand-mère! Ah, c'est la meuf. C'est la meuf de tout à l'heure. Comment tu sais? Qui non? Mais non, comment tu sais? Pourquoi? T'es aussi à ta match? Ouais, même moi, ma match. Ouais, je l'ai baisé. Vas-y, elle a match toute la ville. Même moi, ma match, je l'ai baisé. Vas-y, je tu commences. Bref, réponds à ma question. Ouais. C'était quoi le but là? C'est qui a donné, bah, qui a donné les gars, liké RT mon tweet, bande de fils de pute. J'ai liké frère. T'as vu, je te remets dans le contexte. Vas-y, remets-moi. Moi, je cherchais les 2T. On cherchait les 2T de base. Parce qu'hier, C'est qui les 2T? Je sais pas, bah justement, on cherchait. En fait, je sais pas c'est qui. Ah, mais là, gros, dans tes messages, ça disait ouais, il est là en moto, truc. On parlait de Paris. Parce qu'ils avaient une moto. Ok. Likez ma vidéo aussi, les gars. Likez ma vidéo masterclass. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton compte? Lil Mitch. Vas-y, je t'écoute. Vous êtes en embrouille avec qui vous? Vous êtes en embrouille avec qui? Avec tout le monde, hein, je comprends pas, tout le monde veut notre peau. Mais qui? Je sais pas, tout le monde. Mais j'appelle qui? Bon, là, je vais vous vendre alors. T'as vu, j'ai vu des mecs, du coup, je me suis rapproché pour savoir c'est qui. Allo? Vas-y, viens. Ouais, allo? Ouais, j'ai un mec de la Raza, tu le veux? Je le vends. Comment ça, tu le vends? Je le vends, c'est mon objet. C'est qui ça, la Raza? Les Russes? Non, la Raza du Bronx. Du Bronx. Attends, ça m'intéresse peut-être là. Bah vas-y, c'est quoi, c'est les OGs ou pas? Est-ce que c'est les OGs? Non, c'est les, tu vois, les latinos là, un peu là, les. Tariq. Ah non, c'est pas, ils m'intéressent pas. Les gars, rentrez, faites pas cramer, rentrez. Ouais. M'intéresse pas à eux. Vas-y. Vas-y, il fait quoi? Mais King, rentre, cousin, rentre. La vie de ma grand-mère, c'est trop. King, t'es sous bière, t'es sous quoi? On vient de se faire baiser par Léon la pute. Et alors, vous venez, je vais à un endroit caché, votre réflexe c'est de vous mettre devant, avec arme à la main. Tu connais, on monte le territoire, c'est bon, on a. Ouais, j'ai capté. Genre, on monte, t'as vu, on n'est pas des putes. Non, t'as raison. Moi, on est renfort, on est arrivé tout à l'heure là, tu vois. Non, moi je l'ai là, ici, la petite pute de Raza là. Bah, les gars, c'est moi là. Big Marco. C'est fini comment avec Léon? Racontez. Viens. Léon, il nous a baisé. Il a fait quoi? On a pris son gars et ils ont pété deux de nos gars et il les a tirés dessus, hein, tu connais. Hein, il nous a pris deux armes, hein, ce fils de pute. Oh, on a pris 40 pièces d'or. Oh, comment vous avez fait? C'est lui qui nous a donné, mais on a réussi à garder ça. Voilà, en gros, il nous a pris deux armes, mais on a 40 pièces d'or. On sait pas combien ça coûte. Putain. Ça coûte cher, ça, non? Je sais pas, cousin. Frère. Et la Raza là, c'est comment? C'est qui Vicky, les gars? La c'est Raza, qui? Là. C'est comment Tariq avec la Raza? En fait, mais c'est qui les RPT? Bah là, j'ai leur gars et je vais leur mettre une taxe. RPT, c'est toi? C'est mon dublot. Demande. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est les mecs de Botset. Essaye de calmer, calme avec la Raza, non? Ma bite, je vais leur baiser leur mère. Y'a rien de calme, ils me font. Oh, mon enfant, mes couilles. Allo? Hey, ouais. Allo? Hey, ta Raza de mes couilles, je les baise moi. Là, ils m'ont chassé, j'en ai pété un. Je fais quoi? Eh, ils sont blindés ou pas? Qu'est-ce que t'as à faire, Tariq? Non mais dis-moi, ils ont là les bastos. Je ne sais pas ce qu'ils ont. J'arrive avec eux. Ok, vas-y. Les gars, je garde sa confiance. Et après ce soir, dans la soirée, je le shoot. Les gars, je peux mettre un pull, je commence à avoir froid, les gars. Vous avez combien de balles, vous combien de balles? On a pas beaucoup de balles. Je crois qu'il sait rien, lui. C'est quoi le numéro de Marco? Si, je sais, mais on a pas beaucoup de balles. De Paco? Eh, dis lui ramène 15 balles si on les baise. Appelle-le, 0227. Hier, on a trop tiré, ça veut dire, tu connais, on a plus de balles. Vas-y, tu vois pas, j'avais que 5 balles. Mais ça nous a... pas un chargeur. Espèce de menteur, t'en avais 12. Là, si tu... j'avais 5. Titi, elle vous a vendu, t'as vu, est-ce que vous êtes les plus forts de la ville, les mieux armés, les... tu vois? C'est dur, parce qu'on rétorque bien, mais... on n'est pas aussi blindé que tu crois. Ouais, je vais m'inventer une vie. Tu connais, parce que nous on a pas besoin de 3 à 4 chargeurs pour dévier les mecs. Mais un seul suffit. Ah ouais. C'est qui lui? Tu connais ma gueule. C'est qui ça? Comment ça va? C'est un shooter clan, toi. Voilà, on vise pas les murs. C'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Vas-y, barre-toi! Parle, cousin!
Mais c'est qui vient de dire il est avec nous? C'est qui vient de dire il est avec nous? C'est le King, il m'a envoyé la position. Ah, c'est mais t'as une arme ou pas? Je comprends pas, j'ai une bastos. T'as une arme ou pas? Deux bougies. Bah sors là, sors là. Comment ça? Mais habille-toi bien. C'est le mec d'Orga que vous avez couché, les gars, c'est pas nous. Roche ton. Ouais, je sais. Putain. Je comprends pas, il y avait un mec qui était attardé. Descends là, descends. Non, non, il est attaché. Ah, ok. Il a une arme sur lui, non? Comment t'es descendu? T'étais attaché? Oh là là, comment t'as fait? Attention, hein. Eh, c'était qui qu'on a allumé hier? C'est qui qu'on a couché? Je sais pas, un mec d'Orga, je crois. Ouais, mais bref, qui? Bref, il a une arme sur lui. Je sais pas c'est quoi son blaze. Moi j'étais de loin, t'as vu, je regardais de loin, et je vois il béton. C'est tout. Eh, les gars, likez mon tweet et ma photo Insta, s'il vous plaît, tous les frères ici là. S'il vous plaît. Mais attends, il a une arme. Vas-y, sur Pinel, lui. Sort ton arme. Il a pas. Mais like mon truc. Like ma photo, mon tweet. C'est bon, like. Tu cherches que des likes en vrai, Tariq. Oui. Carrément, liké avec mon compte, les gars. T'as même pas l'autre. Il y a un pouce de faf avec mon compte. Tu me payes, je te mets des faves. Vas-y, pourquoi il répond pas le numéro là? 0227, ça te répond pas toi? Ah, c'est. Non, non, ça répond pas. De toute façon, appelle, dis-leur 15 balles. SSO, il a le démon. Ouais, il répond pas, frère. Mais non, il se match, Vicky, mon bébé. Vas-y, elle a match tout le monde, sa mère la pute à elle. Demande-lui un calibre là, ce fils de pute, ce chien. Dis-lui, ramène un calibre sinon on canne. Allo, coucou. C'est bon. Dis-lui, le thé. On commence avec un bon coucou. Ah ouais, tous les mecs. C'est ça la Raza, vous faites les voyous, après vous assumez. Allô. Pas. Eh ouais, Oupi, la vie de ma mère. C'est toi la tête, non? Qui t'a dit que j'assume? Vous avez pas compris, ouais, c'est nous la vraie chienneté, c'est nous, on est des gros chiennes. Vas-y, Mighty, hein, tu connais, reste si t'as 15 balles sous le coude, hein, tu ramène-nous ça. Hein. Ouais, 15 balles. Donne leur l'arme, C'est moi, je l'ai, c'est moi. Ah ouais, tu t'en bats les couilles de sa vie? Bah, donne à qui? Il est avec nous, lui. Ma mère, je suis avec vous, c'est le King qui m'a envoyé la position. Ah non, justement. C'est bon, il est avec nous, vas-y. Il a des balles, lui. C'est un coach, je lui donne s'il a pas de balles. T'inquiète pas, j'ai les Non, mais pas 15k, 15 balles, avec balles, des bastos. Bah oui. Attends. Bah c'est quoi, c'est-à-dire je le tue, je garde mon calibre, tu préfères prendre un calibre que des balles? Il vaut combien? Deux balles? C'est rien, Marco, je sais pas, genre, j'en bats les couilles. Ouais. Attends, c'est-à-dire je garde le calibre alors? Mais justement, ramène 15 balles, et après on parle en vrai, en face. Allez, ramène 15 balles et après je t'envoie une pause. Vas-y. Tiens, le vas-y, il va nous baiser, lui, fils de pute. Oh, il a fait quoi? Derrière, le... Ouais, il me dit tue-le. J'ai dit, mais gros, il a un calibre, tu vois, non, tu vas te perdre un calibre pour ça. Après, il m'a dit, bon, je m'en bats les coups de sa vie, 15 balles, c'est trop. Il m'a dit, 15 balles, c'est trop. Après, là, il m'a dit, envoie une pause, on parle en face. Tu connais, il va ramener 15 balles, hein. Ah ouais, si on bat les coups de sa vie, ils vont juste arriver, ils vont pétarder, frère. C'est ça, hein. Non, les gars, moi, je pense pas. Les gars, tout le monde a des balles là ou pas? Moi je pense qu'ils vont discuter. Les autres, vous avez ouais, ils ont, normalement ils ont tous des balles là. Même King, t'en as? Lui là, lui. Donne-moi là, lui. Donne-moi de mon couteau. J'ai pas. Tiens, le King. Tiens, de te lancer, King. Attends, les gars, niquez vos mères, arrêtez de parler pour rien. Y'a quoi? Les gars, qui a des armes? J'ai des balles, moi. Ok, parce qu'on va les allumer. Qui a des. Tout le monde a à minimum 5 balles. Ouais, t'inquiète. J'en ai bon. Bon. Vous en avez combien, vous? Combien de balles sur vous chacun? Moi j'ai 10. 10. Donne-moi en 3, Opinel. Ah voilà, Opinel, t'en as un peu. T'en as combien? J'en ai 8. Vas-y, c'est bon. Et toi, t'en as combien? C'est bon, OP, c'est bon. J'en ai 8. Ouais, c'est bon, voilà, vas-y. Donnez un peu à lui. C'est bon, lui va te donner, OP, il va donner 2, et un, il en a 1. Vas-y, venez, on va dans un autre endroit, venez. Vas-y, montez. Eh, le parking à étage là vers l'hôpital, vous voyez lequel là? Vers le bowling, ouais, ou je sais pas. C'est bon, allez. Tu vas aller tout en haut. Ouais. En bas, au milieu. Ouais, c'est bon. Les HK, hey, tu poses une question, t'as 1 million de réponses différentes.
Mais là, après, il le rend le Beretta ou. C'est comment? Eh oui, bah oui, bah, en bah gros, oui. Là. Ah, okay. Mais je l'ai donné à un mec, il est même pas trop avec eux, ouais, ça. Je sais hein. pas, moi, je sais pas, moi. Ah ouais, on le récupère direct. En tout cas, au final, je crois que j'ai l'impression qu'il va le garder. Ah, ma bite, c'est pas lui, il s'est fait chasser pendant 10 heures. Après, on peut faire les bons de nos HK parce que eux, ils en ont. Ils leur ont pris la Raza à cause de nous, hein, tout à l'heure. Ah ouais? Attends, y'a Léon, il est venu dans notre quartier, il a tiré sur des darons, ce fils de pute. Je vais lui baiser sa mère. Bas les couilles, venez. Envoie la pause. Bah oui, arrêtez de vous disperser, viens. Une voiture derrière. Ouais, vas-y. Allô. Eh, viens, s'il te plaît, venez. J'arrive. Vas-y. Et Léon, faut qu'on s'en occupe bien. Putain, il a raccroché. Moi, je vais le baiser, Whisper. Il m'a mis une bastos tout à l'heure. Ah ouais. Moi, je vais pas sortir. Hein. De toute façon, t'as attaché. Ma photo, les gars, est trop stylé, wesh. Allez, descends, ta grand-mère. Je le détache. Tu me dis quand je lui envoie la pause. Allo, c'est bon. Comment ça s'écrit? Oh la D, comment ça s'écrit? Non, comment ça s'écrit? Comment? Les gars, j'ai de la rechta. Et qui est les meilleures pâtes du monde, hein? C'est pas les Italiens les meilleures pâtes, hein? Et les mecs là, les mecs qui sont fait coucher dans tout le quartier hier, là, ils sont venus faire quoi chez vous? Tu parles de qui? Ils étaient en train de parler. Ouais. Ça parlait. Ceux qui disent nous, ma bite, vous avez jamais goûté. Un plat algérien, c'est des pâtes, mais c'est une dinguerie. Ouais, je vais vous montrer. Allô. Là, je mange pas ça, là. Attends, ouais. J'ai rien pris, cousin. Ça, je lui prends 5 balles et je le lâche, c'est ça? Vas-y, sors ma bite, dis-lui, ramène de la compte, il ramène un truc. Sors ta bite aussi, je la suis. Dis-lui, on s'en bat les couilles, il ramène un truc, Ramène ton zizi, je te suis. Dis-lui, dans tous les cas, ramène quelque chose. Dans tous les cas, tu vas ramener quelque chose. Dire 5 balles et je le lâche. Ah, il y a 5 balles et tu ramènes encore 10 balles. T'as les potions. En fait, dis-lui, c'est les HK compris. L'arme que vous avez pris tout à l'heure. En fait, dans là, nous, cas, on a rien eu, nous. Ouais, je t'écoute. Mais pourquoi tu me menaces? Je t'explique, c'est pas des menaces. Vous m'avez suivi pendant 30 minutes. Bien sûr, je sais de quoi je. T'inquiète pas. Écoute. Bref, vas-y, tu prends le gros, je t'envoie la pause. Il est rempli d'écoute, un strict. Il commence à m'énerver. C'est ton refait. Oula, y'a plus de Gova l'équipe. Ils ont dit tu vaux que 5 balles. Mais moi je suis une merde, j'ai pas compris. Là je sais rien, j'ai pas tiré, je sais rien les gars. Rejoins-nous non? Il fait quoi au Pinel? Wallah, il me fout la haine, c'est. Il me fout la haine, wallah. Bah écoute. Bien sûr. Ouais les gars. Moi je l'ai trahi quand même. C'est quoi tes points forts et tes points faibles? Points forts, ouais. J'ai aucun point fort, hein. Que des points faibles. Le maillon faible de l'équipe. Mais non. Les gars, wallah, je leur fais la guerre s'ils viennent pas. Wallah. Je les éteins, je vais être celui qui va les éteindre leur grand-mère. T'es conduire? Je suce tous les mondes. La Raza, je calme tout avec tout le monde, je leur nique leur mère. Mais pourquoi ils t'ont appelé alors? T'es une merde. Ouais, je t'explique, t'as vu, je suis tellement une merde.
En fait, c'est pas possible. J'ai juré, voilà, j'ai juré. Mon cerveau, t'as capté. Tu fais des trucs incohérents de fou. Ah, ça se voit, tu caches bien ton jeu. Ça se voit, t'es une tourelle humaine. C'est ça, t'as tout dit, Mayotte, t'as tout dit. Ça se voit, moi j'ai capté. Tu caches bien ton jeu. T'as capté. Je peux en moins mettre un t-shirt, j'ai froid là, on prend un d'air. Allo? J'ai pas de t-shirt. Tariq? Ouais. T'es où là, c'est Miguel? C'était comme ça. Je suis dans une embrouille là, proie, y'a quoi? Je sais pas, au quartier y'a plein de gens qui sont pris en otage, y'a des gens, ils braquent tout le monde, je sais pas c'est qui. Dans comment ça? Ou chez les HK? Si, si. Putain. Je sais pas, il y a plein de voitures, il y a au moins 2-3 ribes là et. Ils sont tous alignés et. Bah, bon, ils sont en train de braquer tout le monde. Vas-y, vas-y. Attends, hey, venez, on bouge. T'as envoyé la pause d'ici? Ouais. Non, j'ai rien envoyé encore. Mais il y a une voiture en bas. Il y a une voiture en bas. Une voiture de qui? Une Tiger. Vas-y, les HK ils sont partis, je crois que chez eux. C'est qui eux? C'est qui ça? La voiture, je sais pas c'est qui. Elle a regardé en bas, après elle est montée ici. Mais de quoi? Il y a quoi avec les HK après? Ils viennent pas. Parce que je sais pas quoi, Léon il a attaqué leur quartier. Mais j'aurais dit attendez, venez avec ça et après on va les baiser. Mais je crois qu'il y a une prise d'otage, je sais pas, attends on va voir. Et t'as dit quoi l'autre bâtard là? Il m'a dit on voit la pause, je sais pas quoi, tu j'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais, tu connais. T'en prends les couilles son gars. Mais les gars, oui, on va baiser Léon, trou du cul d'originel. Mais là c'est pas le moment, j'ai un Raza, je baise les Raza. Ensuite j'en baise Léon. Aujourd'hui celui qui a baisé en premier, les mecs qui ont baisé les HK en premier, c'est les Raza. Ils les ont attrapés, ils ont pris une arme. Venez, on règle Léon après. Même pour eux, ils sont perdus. Nous, on va les aider, on va voir. Toi, descends ton Raza là, avec les mains en l'air. Parle pas là, il parle pas. Tu nous laisser un peu de temps, tu peux. Une discussion qui doit maintenant se faire. Mais y'a quoi là? Discussion. Je préfère que t'aies une discussion plus bonhomme. Soit tu me dis l'option 1, soit tu me dis l'option 2. Dans les deux cas, on se prépare. On te laissera le temps de te préparer. À 2 minutes pour parler. De notre côté, on va réfléchir à comment on va faire les choses. Les otages, vous venez. Je vais avancer, mon guignol. Ah, mais y'a quoi? Mais vraiment des trucs. Attends, vos gueules, attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est quoi les options, King? Dis-moi. Parle plus fort un peu. Moi? Ouais, vas-y, dis-moi. Là, il a repris notre quartier. Ouais. Mais de toute façon, j'ai choisi l'option numéro 2. Bref. Mais vas-y. Là, il a choisi notre quartier. C'est à lui, son quartier. En mode, on met ses putes, on achète ça, son héroïne. Bref, on met ses putes. Ouais. On rentre dans son cerveau, on dit oui. Ouais. On sera l'option numéro 2. C'est quoi l'option 2? Mais hey, les gars, vous l'entendez doucement ou pas? Ouais, il parle plus fort, King. Ouais, là je parle plus fort. Voilà, vas-y, dis. Ouais, soit l'option numéro 2, je me taille, là tout de suite. Enfin, je me taille, je sais pas. Je me tire. On déménage en gros. Vas-y, venez, on fait. Eh, King, s'il te plaît, les gars, venez, on se réveille. Venez, on règle problème par problème. Là. Venez, on lui dit oui à Léon. On lui dit oui. Et on se barre. Oui, on rentre dans et sa on tête. Lui baisse sa mère un jour dans un truc bien carré. Voilà, on rentre dans ça, sa tête. Ça sert à rien, les petits trucs. Oui. Oui, messieurs, est-ce qu'on peut parler? Qui veut parler? Non, on est occupé 2 minutes. Allez, recule, barrez-vous là, va plus loin. Vas-y, nique ta mère, toi et ta meuf là, dégage, allez. Vas-y, dis. Ouais, moi je vous mens pas. Je sais très bien que la meilleure option, c'est l'option de faire ce que t'as dit. Mais. On devient cette pute. Les gars, mais non, viens King, viens. Dans son cerveau, pour rentrer mais viens, dans son cerveau, viens. J'ai pas envie de rentrer dans son cerveau. Je te jure, King, on est obligé. King. Regarde, tu King, les gars, je vais mourir comme un homme. Je te suis. Mais non, ça sert à rien. Couteau, arrête d'être con. Faut penser aux intérêts de tout le monde. Pas la fierté et l'ego. C'est bon. Bah vas-y, t'es avec nous pour de vrai. Ouais, la vie de ma mère, je suis avec vous. La vie de ma mère. T'es un menteur. La vie de ma mère, je suis avec vous. La vie de ma mère. Écoute, King. Regarde, hey. Écoute.
Léo, il m'a livré aux Russes aujourd'hui et ils ont tiré sur mon pote Lil Mitch. Je vais le baiser, moi. Donc on va où là? C'est fini, tous les autres groupes ils vont nous pisser dessus, mon boy. Pas du tout, parce que regarde là. Là, regarde. SDF là. Là, on lui dit qu'il parle à personne, c'est entre nous. Là, on se barre, regarde, on se barre là d'ici. On lui dit, ouais, ok, vas-y, on déménage, on se barre. De toute façon, pendant ensuite... deux semaines, ça veut dire que si on fait, frère, ça va être la même chose que le faire tout de suite. Mais c'est chez nous, je pense qu'il veut juste, c'est chez nous aussi, je pense qu'il veut juste t'a capté. Non, non, il veut rien, juste. Allez, tu prenais vos valises, j'ai barré. Voilà, on se barre, non, mais regarde, écoutez. Mais non, King, fais pas. Mais ça sert à quoi? Avec mon frère. Mais ça sert à quoi? Ta guerre. Okay, mais si c'est ma guerre, parce que regarde King, là, on est avec toi, là ça sort ta soirée, qui t'a pris des armes? Qui t'a pris des armes? Écoute-moi, qui t'a pris des armes? Il y a Léon et les Raza. Là on a un Raza. Donc vu on calme le truc de Léon, les Raza on leur fait une dinguerie ce soir, là on leur fait vraiment un truc de fils de pute. Et Léon, hop, on revient. Merci mes frères, vous avez tous été mes frères. Mais ça sert, non, mais ça King, sert King, à quoi King. Et avec les salopes qui se suicident, hein. T'es une salope si tu fais ça King. La vie de ma mère, t'es une salope si tu fais ça. Je te jure, c'est moi, c'est mon choix. Tu fais le dépressif, va écouter du rock, fils de chien, va. Écoute, eh, on accepte, ils sont virés, on est virés, c'est bon. C'est mon choix. Dis-moi. Je te dis la vérité. Les gars, qu'importe ce qui se passera comme choix, hein. J'aime trop ce quartier pour pouvoir le laisser. T'as dit quoi? Ce quartier? Qu'importe ce qui se passe comme choix, tu vas descendre mes gars? Si tu commences à me pointer un flingue ou que tu commences à tirer des pistolets, tu vas tirer un flingue. Là je parle fort, là je parle fort. Parle bien fort. Recule un peu les gars, on dirait, ils vont tirer. J'aime trop ce quartier, j'ai grandi ici. C'est l'option 2? Et c'est pour ça que je vais partir avec mes affaires. Ok. T'as raison, c'est vrai. Voilà, que ok. Actuellement, t'es en position de force. Et je en position de force. Bien joué, Léon. Et je vais partir. Laisse prendre tes affaires, ils sont juste en bas. Les deux otages resteront avec nous jusqu'à ce que vous soyez partis. Bah, attends. Quand vous serez partis et qu'on sera sûr que vous n'allez pas balancer un assaut unique. Tu leur as rien pris. On leur a pris que des munitions. Ah, mais c'est pour se tirer sur vous, il faut bien qu'on se refasse. Mais avec les 40 pièces d'or, j'imagine que tu te referas rapidement. Ça comme un coup de départ. Vas-y, lui, on va lui mettre. Maintenant, je te dis, vas-y, c'est bon, Léon, t'as raison. T'es en position. C'est véhicule et tu peux partir. Bien joué, Léon. Vas-y, les gars, on y va, on déménage. Quelle merde, bande de fils de rester. On déménage, Léon. Eh, juste, attends, les gars, c'est simple. Il est où, marteau? Pas l'otage. Attends, les gars, attendez. Il est où, marteau? C'est fait péter. Par qui? Il est mort. Par Léon. Mais ça veut dire là, il a pris une arme, il est où? Il est là, tu vois pas là-bas? Ah, bref. Dans l'otage. C'est lui l'otage, ce fils de pute. Regarde, ce fils de pute, il pense qu'à son arme. Mais non, mais parce que. Moi, je pensais qu'il était plus là, Mais vas-y, le Raza monte. Vas-y, monte, Raza. Décale à gauche. On se rejoint où? Machin, décale à gauche. Monte. On se rejoint au parking comme t'as dit là. Bigwell, monte avec nous aussi. Y'a pas de place. Vas-y, venons, prends nos affaires. Vas-y, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Après, prends la moto, prends. Mais ils font quoi là? Ouais, ils récupèrent leurs affaires, apparemment. Approchez-vous, moi je leur prends des balles. Hein. Je vois l'humili King comme ça là. Allo? Tranquille, et toi? Dis-moi. Oui. T'as combien? Bah, je te rappelle dans 15-20 minutes, c'est bon? Ouais. Avec Captain Cook et tout? Vas-y. Bon, vas-y. Là, ils ont pris ces deux pétards et les armes là? Je sais pas. Que des munitions. Eh mais comment ça s'appelle? Appelle le Radzin, dis-lui comment ça préparer. Des trucs. Ouais, il est déjà prêt apparemment. Il va préparer, il va ramener quoi? Il a dit prends 5 balles, après tu connais, il m'a menacé. Je le dis, ramène 10 balles en plus. Rappelle-le, dis-lui. Non, dis-lui, ramène et ramène 100 grammes de sa drogue là, de l'entfait ou je sais pas ce que c'est. Vous faites quoi comme drogue? Allô? Ouais. Tu fais quoi là? Tu t'es sur quel cam toi? Oui, hermano, je peux te demander quelque chose de seconde, s'il te plaît? Sur l'enfête, bah ramène l'enfête. Merci beaucoup.
100. Ah, ramène 100. Vous savez où on peut trouver un groupe ouais, chinois. 100. Chinoise, pardon. Comme ça. Vas-y, ramène 100. Oui, ramène 100. Ouais, ramène 100 et ramène 100 et après t'inquiète, je te vois le peu. Vas-y. Il va jamais ramener cet enfant. Pas mal la voiture, c'est une cuillère et tout. Pas mal. De quoi ? En fait, t'es ce genre de fils de pute. Tu vois, comme tout le monde les suce et ils se croient surhumains. Les mecs qui parlent vite. Du coup, là, comme ils se font baiser pour la première fois de leur vie, t'es par Big Little Bitch, ma gueule, et là, ils savent plus quoi faire. Il m'appelle, c'est ça. Il parle vite, c'est après, c'est ça ou pas, Marco temps. C'est ça non, c'est ça, t'as raison. On est d'accord. Non, du coup, faut qu'il donne ou pas, Marco ? Faut qu'il donne. T'as perdu, non ? Je vais de mentir. Eh, les gars, vous me passez une arme, je fais les kamikazes avec Léon, là. Je leur baisse leur mère. Allo, c'est comme TVVA, c'est du fake tout ça. Les gars, vous pleurez pour un truc, on s'en bat les couilles là. Je vous vois comme des baisers, on dirait c'est la scène du siècle. Je m'en branle là. J'en ai à branler là, c'est le dernier de mes problèmes là. Là pour vous, c'est la scène du siècle là. J'en ai rien à foutre, frère. Apparemment, ils ont que 35 de. Ça déboîte sur un truc, j'en ai rien à branler, mais à un point. Je vous dis, on est pauvres les gars, y'a rien à. On est pauvres. Il m'a dit, vous avez tout vendu. On dirait, wesh. C'est comme d'hab, oui, mais là ça se voit que je... Attendez, je reviens. Chez moi. Putain, c'est vrai. Vas-y, en vrai, viens, on se taille parce que sinon je vais. Vas-y, dehors, il a dit. Bah oui, viens, on se barre, je comprends pas là. T'attends, tu veux taper la bise avec lui? Non, je veux pas faire jamais. Mais non, viens, on se barre. Vas-y, viens, on se barre, les gars, viens, on se barre. Allo. Ils sont tous les autres, ils sont. C'est bon, t'as tout, t'as, tu prends combien d'argent? Eh, viens, suis-moi. Vas-y, suis-le. 3K. 3K, 35. Dis-lui, c'est mort. Dis-lui, y'a pas 100. 100, mais bon, dis-lui, je vais l'appeler, moi. Vas-y. Tiens, appelle-le. En fait, je comprends rien quand tu me parles. Il parle tellement vite, ce fils de. Mais il a dit quoi là? Il a dit quoi en gros? Il a dit 3K, j'ai pas 100. J'ai regardé chez moi. Mais il va se démerder, là. Ma mère, il va se démerder. Vas-y, appelle le 0227. Ouais, je vais l'appeler. Putain, ils sont sans quartier fixe. Eux aussi, ils agissent comme ça sur des coups de tête. Ils vont là, ils vont. C'était eux là, non? C'est sûr, c'est eux. Vous avez vos armes de sortie ou pas? Ouais. Vas-y. Ils suivent là ou pas? Ça suit pas, mais tu connais, t'as vu, regarde. Ils yeutent, hein. Ils yeutent. Attends. T'as vu? Je vais dans le parking en vrai. Ton gang, tu forges, je te mens pas. Et moi, je te mens pas. Ta mère, je la prends, je la retourne, je lui fais des. Oh lolo! Bref. Il est fou dans. Mais frère, il y a des gens, ils sont. Je pense qu'ils sont vraiment malades. Après, tu peux te dire sur 5000 personnes, t'as pas que des gens nets, hein. Descends ta grand-mère, descends, mets-toi par terre, comme je t'ai dit tout à l'heure, par terre, là, au milieu, par terre. J'ai plus rien à perdre, tu vas appeler ton chef, tu vas me ramener deux calibres. Attends, la putain de ta mère. Attends. Oh lolo. Vas-y, enlève tes habits déjà. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi les gars? Vous avez plus de quartier, bande de salopes, vous êtes SDF. Putain de ta mère, tu crois que je vais te faire ça? Raza, va t'asseoir par terre, on va t'enculer toi. Raza, là-bas, là. Là. Je jure, aujourd'hui je vais me défouler ici. Sur votre grand-mère. Ici. Putain les gars. La pute ici. Quartier, on est des salopes. Mais viens King, descends. Mais à qui? C'est bon King. Mais des... Ta mère, tu me dis SDF maintenant, tu me dis je sais pas quoi, arrête de me chauffer le crâne. Bon, King, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est rien King. Faire enculer, ça arrive à tout le monde. On va te manger, ça arrive à tout le monde.
Venez voir tout le monde. Je vous jure, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Assis-toi par terre, je t'ai dit. Assis-toi par terre. Eh Miguel, surveille-le lui. Tranquille, les gros du quartier. Les gars, venez, réunion. C'est qu'un barrio. Il y a ma mère qui habite dedans, dans le barrio. King, viens. King. Tranquille, les gars. King, viens. King, calme-toi, King. Allô. Tranquille, les gars. Allô. Oui. Et toi ? Couteau. D'ici quelques minutes, tu vas recevoir une pause. Tu viens tout seul. C'est possible d'avoir un peu plus de temps ? Je demande pas, King, je l'aimais pas trop. Moi. Combien ? Je dirais une vingtaine de minutes. Il y a des grillages partout, il y a que des grillages partout. Ok, très bien, accordé. Les gars, écoutez-moi. Là, je vais recevoir un appel. Grosse orga qui vend des calibres, des munitions, des trucs. Déjà, hop, on a la poche. J'ai rencontré juste à l'heure aussi notre orga. Ils vendent ça aussi. Venez, les gars. On restructure tout, on arrête d'agir sur un coup de tête. Comme là, tu montes dans ta voix. Comment tu veux que le gang il se porte bien? Si le chef il s'en bat les couilles, il monte sur un plafond sur un coup de tête. King Solo, je crois t'as. Vas-y les gars, je vous dis la vérité. Non. J'ai perdu ma place. Non. Non, tu l'as toujours. Appel 0227. C'est sûr qu'on a perdu notre place. C'est moi le King. Je suis la queen maintenant. Paco là. Bah c'est qui le King? Il y a plus de Queen, Les gars, donc là on commence par se refaire en baisant les salopes de Raza. Eux c'est, ils sont bien. Donc venez, on les baise, mais on se prépare bien. Ils sont les autres. Appelle les autres, dis-leur de vite venir avec leur calibre. Il y a plus d'autres. Mais ils sont où? Mais si, il y a celui qui a cause calibre. Nous, on s'est fait baiser, c'est à cause de nos frères, on s'est fait baiser. Mais pourquoi? On a des frères, c'est des fils de pute. Là, on leur dit des choses, ils nous écoutent pas, ces fils de pute. Ces petites salopes. Il est où le mec avait l'arme, la marteau par exemple, il est où? Je sais pas où il est, appelle-le là. Ce t'as pas son numéro, y a pas un groupe. Je sais pas, frère, je sais pas, moi, il est là, même moi, je sais pas. Il veut quoi là? L'ancien il m'appelle, il me dit ouais, venez avec tout le quartier et tout, tata, il veut quoi? Il sa mère. Oh là là, il veut quoi lui? Comment ça? Vas-y, viens, on va voir, je vais voir ce qu'il veut. Mais attends, mais c'est une dinguerie, les gars, vous êtes malades dans vos têtes ou quoi? La vie de ma mère, quel cam vous tapez? Quelle substance? La coque. La chemma, sa grand-mère, la chemma, la possible. Ma mère, c'est pas possible. Vas-y, écoute. Parle, chef. Parle, King, vas-y. Allez. Nouveau le King. Putain, vas-y, les c'est gars. Bon, King. Vas-y, parle, c'est bon, moi je suis plus King. Nique sa mère la pute au King. C'est quoi le King? Vas-y, parle. Les gars, quelle substance, parle. Derrière vous, y'a Raza qui vous a pris une arme gratuitement tout à l'heure. Ben vas-y, il a une arme ou pas? Les gars, prosez. Mais il l'a déjà pris, marteau qui s'est fait péter. Voilà, il est où marteau déjà? Comme ça, il vient, on a marteau, un... ça fait une arme en plus. Voilà, comme ça, là, on va les allumer. Vas-y, appelez marteau, appelez les autres. Appelle marteau, moi je l'ai pas. C'est deux otages que Léon a. Il est libère là, c'est bon, vous êtes barrés les gars du barrio, c'est bon. Moi j'appelle le Raza, je lui dis de ramener Vla la cam. J'avais le numéro d'un marteau, mais il est mort. Qu'est-ce que tu... Mais c'est qui l'otage de tout à l'heure, fils de pute, va? 0227, t'as dit? Oui, 0227. Non, c'était qui? S'il vous plaît, King, la réunion, un max d'hommes avec des armes. C'est tout. Je veux venir, je veux venir. Je vais faire un truc, j'arrive. Opinel, explique-moi bien. Tu vas où? Attends, je vais y aller après. C'est marteau, le mec, les gars. Allô? Allô? Est-ce comment là, ma cam, elle est prête? C'est Tariq, fils de pute. C'est comment là? Vas-y, on va la pousser. 100 grammes. De l'argent, tu me ramènes même à boire et à manger, fils de pute. Moi, je vais te refaire les ton éducation, moi, au petit 2000 du Bronx, là, vous me faites les bandits? Tu vas voir, toi. Je t'envoie la pause, fils de pute. Je t'envoie. Envoie la pause, envoie. Je t'envoie. Je suis un fils de pute. Si Léon, je l'attrape pas, je le loupe. On sent pas les couilles. Venez. Les gars qui a mangé, vite. Je vais tomber, vite. Oh la dé. Vite. Tiens. Regarde, il vient en snip. Viens, c'est pas grave, attends. T'as ton arme? Ouais. T'as des balles? C'est pas lui. C'est bon, impeccable, vas-y. Les gars, écoutez-moi. Dès que je dis la phrase tous paye, on les allume. Donc prenez-en chacun en vue, ok? Et toi, tenez-vous prêt, parce qu'il y a moyen, ils allument en premier. C'est bon? Allez, les gars, écoutez. Selon comme. Les gars, écoutez. Je pense qu'ils vont allumer en premier avec le Trafalgar que je leur ai fait la dernière fois. Je sais pas, vas-y. Marco, ça va bien se passer, ok? Les gars, vous avez des armes? Ouais. Des balles? Non. Moi j'en ai deux. T'en as deux. Tiens, je t'en passe, viens. Tu tires bien ou pas, toi, l'ancien? Ouais. Non, toi. Ouais, moi, t'inquiète même pas. Vas-y, tiens. Je vais les enculer, ces fils de pute. Je t'en donne que 3. Hein. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi. Viens, King. Les gars, là. C'est le moment de commencer vraiment pour de vrai.
Un plan, un plan. Vous avez, j'ai traîné avec vous, ça fait deux semaines, la vie de ma mère, j'ai jamais vu une fois un plan. Est-ce qu'on a déjà fait un plan? Bah ouais, on a déjà fait un plan nul. Les boyos, ils étaient tellement organisés, ils avaient des mecs partout à toutes nos sorties. Bah oui, pouvait... ouais, là, vrai. Les gars, les Radza, écoutez bien, écoutez bien. Vous plaindre alors que vous, allez, vous êtes allé au quartier, vous donnez, et là, vous... Les gars, les gars, allô, 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 les gars, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les gars, là, écoutez bien, les Radza, ils arrivent, ils vont nous donner 100 grammes de drogue, de l'argent. Et les gars, comme ça, on se refait avec ça. Ensuite, juste après, King, toi et moi, faut pas qu'on meure, hein, c'est pour ça, faut pas qu'on tombe, les gars. King et moi, on va à un rendez-vous pour des armes et avoir des munitions à mort. C'est bon ? Donc les gars, là, faut pas qu'on se loupe. Mettez-vous bien en pause de fils de pute. Que quand ils viennent, quand je dis tous paye, on venez, les venez, allume. Suivez-moi, suivez-moi. Non mais on là, tu vas où poses, mais où, fils de pute, où non, à Marrakech, ta grand-mère moi, je on va prendre des pouces, t'as dit. Mais juste ici. Mais juste ici. Mais juste ici. Mais oui, juste ici. Juste ici. Ça sert à rien, ça sert à rien. Oh là là. Ça, restez juste là, derrière les voitures. Là, derrière les voitures, les gars. Juste derrière les voitures, bien, un peu écartées, c'est tout. La vie de ma mère, il part où? Eh, envoie-leur la pause, envoie-leur la pause, Bachar, envoie-leur la pause. Les gars, s'il vous plaît, même là-bas, derrière les voitures et tout, venez, j'ai envoyé la pause. C'est bon, t'inquiète, on va se mettre carré, t'inquiète. Qu'est-ce que t'as peur là depuis mais parce que si on tombe, on va les baiser. King, le rendez-vous que t'attends pour des munes depuis un mois. C'est bon. Et ben là, si on tombe, on l'a pas le rendez-vous parce que ça va être là, juste après. Vas-y, c'est-à-dire, bon, les gars, que des balles dans la tête, hein, au Ops. Les gars, H-Gang, on se met là. On est pas tel, les gars, c'est pas la fin. H-Gang. Et toi, arrête de sucer Léon à mettre les mains dans les poches, toi. Je nique sa mère, Léon, les gars. J'ai deux balles pour moi ou quoi? Mais j'en ai que trois, fils de pute. Demande à quelqu'un. On est des putes. Nous, on est des putes. C'est bon là, ce fils de pute là. Ouais, on a tout pris, oui. T'as envoyé la pause, Bachar? Ouais. Si tout se passe bien, Marco, t'as toujours sortir en vie, c'est pas un souci. Eh les gars, soyez pas cramés qu'on va tirer, hein. Soyez pas cramés aussi, hein. En gros, on fait comme si y'a rien. Genre, on récupère la cam et voilà. Arrête, tu peux arrêter de faire le trou de balle ou pas? Tu parles à qui? À toi, cousin. Pourquoi tu t'excites comme ça? À faire de la funk, je vais te baiser, toi. Dommage, fan de la funk. On n'a plus de quartier, les gars. Là, faut avoir la rage. Hey, la rage. Fois, ça y est, on a compris. Mais là, faut... vu, je veux bien qu'on fasse parler de trop de balles et tout, mais la vérité, ta position, elle est éclatée. On va se faire éteindre, là. Mais éteindre de quoi? Ils sont pareils que nous. Pareils que nous. Homme à homme. Ça tente pas à ce qu'on va tirer, les gars. Oui, pour eux, on récupère ça et on se barre. Oh là là, s'il vous plaît, soyez lucide, bande. Soyez lucide. Ah mais lucide. Et les gars, éparpillez-vous même un peu à droite aussi. Pourquoi tout le monde est là? Même un peu à droite. Mais non, là, à droite. Là-bas, c'est à gauche, la famille. Là-bas, c'est à gauche. Là-bas, c'est à gauche. Eh, l'ancien, là-bas, c'est à gauche. Tu vas te couvrir avec quoi, là, l'ancien? Avec quoi? T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, les gars, on se fait 100 grammes. Rendez-vous des broliques et fin. Fils de pute. Non, non, non. Arrête! Vas-y, c'est bon. Comme ça, tu sais. Bien, s'il te plaît, j'ai envie de concentrer là. J'ai malade. Les gars, eux, rappelez-vous, les Radza ont pris une arme comme ça, comme ça. Encore Léon, vas-y. Oui, essaye de nous pisser dans la tête. Mais parce que je vous ai. La haine, t'inquiète. Je vous ai essayé de vous motiver. J'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Je vais lui plier ta mère, t'inquiète pas. Je vais lui niquer sa mère, mais t'inquiète pas. Ben oui frère, on a la haine, t'inquiète pas, on va le baiser la mère, t'inquiète les pas. Les gars, gardez-la précieusement au fond de votre cœur, les gars. Eh Miguel, tu sais, tu fais quoi? Prends une moto. T'as vu dès que ça a tiré. Sinon, on est tombé, tu bloques la sortie avec des voitures. Ah non, King, même. Vas-y, tranquille. C'est bon? Avec des voitures. Si on est tombé, hein. Non, tranquille. On attend la faute patient. L'ancien. Il a fait quoi? Il y a quoi? Non, il est fou, l'ancien. Ça, le fils de pute, ton chef s'il paye pas, oh je t'encule, c'est bon? Voilà,
Chef, j'espère qu'il va payer, hein. Je le dis. Oh, ferme ta gueule, le haut. T'as vu, si tu parles, tu dis un mot bizarre, un truc. C'est bon. Non, on va le baïonner, les gars. On va le baïonner. T'as vu, tu dis un truc, je te fais sucer mon Glock, fils de pute. Je vais rien dire. Je m'en bats les couilles. Les gars, quand je dis tous paye, hein, tous paye, c'est bon? Impeccable. Comment on est en panique? Quand je dis tous paye, les gars, tous paye, on allume. Ils arrivent dans combien de temps? Là, ils arrivent. Bayonne le Limitch. Vas-y. Attends, je fais mes adieux. Les couilles de l'ancien. Vas-y, je vais te baïonner. Mais tu vas pas mourir, ta grand-mère. C'est con, Marco. Vas-y, mets mon slip dans ta bouche, fils de pute. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh, les gars, visez, chacun il en vise, genre en gros, vous soyez prêts, vous avez capté? Bien mis le baillon, hein. Ouais, t'inquiète. Ah, je l'ai pas eu. Mon Windows, il s'est activé. Rasta, l'ancien. Hein? Activer Windows, mais pourquoi? Vas-y. Mais j'ai Windows, wesh. Je fais des roulades, t'es prêt, toi, déjà? Moi, t'inquiète, boy. Ah, je m'inquiète pas. L'ancien, il veut nous fumer maintenant. L'ancien. C'est combien à peu près? Donne-moi son numéro, moi, je vais lui parler, t'inquiète. Tiens, dans sa tête. Vas-y, s'il te plaît. Parle avec lui. Donne-moi son numéro, t'inquiète. Ce soir. Au quartier, il y avait combien de personnes? C'était pas beaucoup, c'était pas beaucoup en vrai. T'inquiète, je vais pas. 5, 6 peut-être. On avait 4 dans STX. Ça arrive les gars, ça arrive. Zéro quoi? Il est baïonné, ça, grand-mère. Appelle-les, Bachar, dealer, c'est au milieu. Ah, c'est quoi la phrase déjà? Tous paye. Paye. Pas ce fils de gros active Windows pendant le DBM show. Non, jamais. Tiens, je te mets ton bigot dans ta poche déjà. Ça arrive, yo. Lui. Ah, c'est Sony. Oh. Eh, mets la voiture bien avec pour nous. Poussez-vous, les frères. Je mets la voiture. Poussez-vous. Voilà, ils sont trop gays. C'est une D. C'est une D d'être aussi nul à GTA. Contre son camp de quoi, frère? Je parle là de son cerveau, Zebby. Putain, je bouillonne, yo. J'ai mis comme ça parce que c'est sûr, ils vont faire les parasites, ils vont se mettre même ici, ils vont faire des moves bizarres, ça se voit. Ah, ils font quoi? Appelle-le, dis-lui, il est 52, 54, ils sont pas là, on le tue, on se barre. Rappel, je lui repose son téléphone. Je lui ai dit étage du milieu normalement, tu sais. Ouais. Je suis en train de régler un truc là. Ouais, t'inquiète, on verra après. Oh non, c'est trop long. Et quand ils viennent, les gars, restez pas tous ensemble, hein, s'il vous plaît, hein. Non, t'inquiète. Mais non, mais même tout à l'heure, les gars, avec Léon, quand vous parlez, vous étiez là, vous voyez que si t'as deux doigts tirés, vous restez tous collés à King. Reculez, mettez-vous autour. Je sais pas, les gars, vous êtes des gangsters ou des. Mais comment ça, on est des gangsters? On est des vrais gangsters, on est des vrais gangsters. Il y a juste chez nous, il y a des gens, ils ont. Voilà, c'est tout. C'est tout, frère. Les gars, on va s'en sortir, on va devenir les plus puissants, la vie de ma mère. Vas-y, quel puissant, frère. On mais est vous des êtes la vie de ma mère, on va devenir les plus puissants. Le plus puissant des grosses putes, ouais. Ne respecte pas, frère. L'ancien, il veut nous parler. Lui aussi, il va nous faire sa loi, ce fils de pute. Non, on va lui mettre une balle, lui. Vas-y. Il va nous faire sa loi. Ouais, il veut quoi, lui? Il veut quoi? J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, ouais. Quand on est parti du quartier, on aurait dû l'allumer, ce fils de pute de Léon. Le King, viens, je te dis. Bref, écoute, j'ai parlé avec l'ancien. L'ancien n'est pas content que l'autre Léon, il a repris le quartier. Moi, je lui ai dit à l'ancien, on était obligé. C'est nos gars. Je vais les niquer, mes gars. Les gars, il y a un truc à manger là pour Marco. Un truc à manger là. Allez vous faire enculer.
Tu vas manger? Il loose boy. Pour lui. Et couvre-toi avec. Ouais. Allez, HK, vite fait, venez là. Couteau, viens. Venez. On est tous des HK. Vite fait. Ils vont venir là, attends, viens, on finit ça, après deux on secondes. Parle. Venez vite fait, deux secondes là. Quoi? Ah, quand vous tirez, mettez-vous en position, vaille. C'est quoi ça? C'est bon? Il a dit quoi? T'as bien entendu ça. La tête de. Il a la vie de ma mère, je crois. Toi. Non. Ils sont jamais sérieux, frère. Position vaille, genre position vaille, vaille, vaille. Genre le twerk. Il y a plus de quartier. Comment ça? Il y a un mec qui habite dans un paftar, il nous déloge. Les gars, on va le déloger, la vie de ma mère, on va prendre son quartier nous aussi. Vous allez juste venez, on est réfléchi, on agit bien. C'est ça, intelligemment, les gars. Intelligemment. Personne. Personne, il était là pour moi quand je perds mes cheveux, quand j'ai des galères. Personne est là pour moi. Moi, je suis là pour tout le monde. King, regarde, on fait quoi là pour toi? Ils vous ont pété une arme. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour ta vie. On a un intérêt commun. On a un intérêt commun. L'arme qui vous ont pété, c'est toi, frère. C'est toi, cousin. Mais ils font quoi là? Pourquoi ils répondent pas? Je les appelle, ils répondent pas. Depuis tout à l'heure, ils me sont pressés. J'ai pas que ça à faire. Si t'as des couilles, mets-lui une balle dans la tête, il meurt, c'est fini, boy. Je sais pas, je crois, il prépare le plan du siècle, sa mère là. Ouais, je crois. Marco, ah, je vais tourner en moto vite fait, je vais voir les gars. Non, ça sert à rien. Arrête d'agir tout seul, tu t'essaies de faire truc alors que tout le monde vous baise. Non, je parle de lui. Moi, y'a personne qui m'a baisé, moi. Tout le monde t'a baisé. Regarde, tu te fais attraper par Léon. Personne qui m'a baisé. Mais je me suis dit, vas-y. Ouais, oui, vas-y quoi. Ferme ton. C'est qui à boire, les gars? C'est qui à boire? Moi, j'ai pas, moi. Eh ouais, c'est la chienne de putain. Eh crève frère, ça y est, c'est la crise pour tout le monde. Même à boire dans ce quartier de fils de pute. Même à boire, juste de l'eau. De l'eau. Moi chez soi. Hey de l'eau, il y en a partout de l'eau, partout. T'as à boire toi? Avec les dreads. Tu m'as donné le téléphone ou pas Marco? Ah le mec. Putain. On fait quoi les gars? On fait quoi? Bah on attend. Et on le fume, il faut qu'il meure. Mais non, attends. On le tue, on gagne quoi? On le s'en bat les couilles. Et même si on tue, il s'en bat les couilles. Gagne la peur. On attrapera tous vos gars un par un. Ouais, mais King, ils s'en battent les couilles de lui. Vas-y, mets-toi contre le mur, toi, tu vas sauter. Mais viens voir. Attends, ça sert à les gars. Faites rien. Ils me foutent la haine. Faites rien, les gars, c'est très tranquille. Les gars, patience, ils vont venir. Appelle Bachar. Ouais, je sais, sur téléphone, il peut. Sur O227, il répond pas. Ah, c'est comment ils s'en battent les couilles de ta vie ou... Non, je pense qu'ils vont venir, T'es en train d'appeler 0227 là? Ouais. Ouais, mais il répond pas, je te dis. Appelle un autre. T'as pas de numéro, ce fils de pute. Mais ils vont venir juste là. Dans le groupe. Oh, l'otage, t'as à boire? Bah, je viens de donner à boire à quelqu'un. Oh, les frères, vous avez à boire? Bon. Tariq, as-tu à boire s'il te plaît? On va tirer. Vas-y King, mets-toi sous ballon. Ouais, c'est Caleb. Sympa gros. Ouais mon frère, c'est comment? Viens cousin, viens vous attendre. Il est où Paco? Vas-y ouais. Tiens Pinel. Il s'est fait shoot. Ouais bah que eux ils ramènent alors, eux ah, ils ramènent. Bah, vous ramenez les Paco. On va le tuer hein, dis-lui. Y'a ben on a ouais mais gros on a pas le temps de taille depuis tout à l'heure il marcelle là j'ai envoyé la pause maintenant si vous faites galérer donc vas-y. Ouais mais gros vous avez un cerveau quand même, y'a pas besoin de Paco quand même. Vas-y dépêche. Non maintenant hey, dis-lui, il a dit quoi? C'est des handicapés. Mais il a dit quoi? Il a dit il vient de se faire shoot, attends faut que je parle avec un autre, on va en parler, je pense qu'on va rien. Bah vas-y mais on va. On voit le ballon. Eh vas-y. Qu'un couteau. Pitié, les gars. Bah les couilles, qu'un couteau. King, il en a. Vas-y venez on le tue non? On attend ou pas? En gros leur chien. C'est mieux hein. C'est mieux. Vas-y on attend 5 minutes. 5 minutes. On va rien gratter si on le tue.
Eh, rappelle-leur, dire bien 5 minutes là. Là, 5 minutes, nous. On les gorge. Son, venez. Vas-y, envoie la bonbonne là, on va se péter la tête. Je pète ma tête sur son téléphone, frère. Vas-y, vas-y. Viens, Litmich, viens, viens, viens. Je passe un ballon, tu vois. Tu... Tiens, je t'envoie un ballon. T'as liké. Tiens, fais un ballon là, vas-y, tiens. Sur la chatte de la voiture. Allez, nique sa mère ce ballon. Vas-y, prends un ballon là, vas-y, fais, nique sa mère. Ouais. Tu siffles la bonbonne. Sinon... Mais dis, Tariq, il a dit 5 minutes, sinon c'est fini, mort, il meurt. Mmh. Y'a pas, je te rappelle, cousin, dans 5 minutes il est mort, t'as vu, si tu veux, si vous êtes pas là, dans 5 minutes il est mort. Vas-y, ma mère, 2h05 il est mort. Vas-y. On va l'égorger, ouais, si ça se passe. 5 minutos. Il fait baiser de notre quartier, putain, j'ai la haine, on s'est fait niquer sa mère là. Ouais, on nous a dégagé. Sérieux les gars, sérieux, mettez-vous en place. Tu m'as dit quoi? T'as vu ton quartier comment il est? Le vide d'un menteur. Y'a personne là. Vas-y les gars, c'est bon, mettez-vous sérieux. Franchement, moi je perds pas un quartier. Tu perds pas un quartier, tu nargues en plus. T'as dit quoi, fils de pute? T'as dit quoi, tu perds pas quoi? Tranquille, King. Tranquille, King. Tranquille, King. C'est pas grave, laisse-le à l'heure actuelle, il est en train. Tu perds pas un quartier, la vie de ma mère, ils ont pas pu. Voilà, t'as déjà fait tes prières, mais. Y'a pas 10 minutes, cousin, y'a pas, je te dis, mais je m'en bats les couilles, t'as vu, toi t'es encore debout. Toi t'es encore debout. Hein, toi, t'es encore tu nargues en plus, ta famille, ton mari. Y'a pas de directive, il ramène ce que tu as ramené, ce qu'on a dit à Paco, et tu ramènes. Dis-lui, cousin, qui meurt, le gars, dis-lui s'il veut qu'il meure, c'est bon. Cousin, on a déjà dit, ramène de l'argent, ramène 100 de votre cam de mes couilles là, tu ramènes des balles. Vous avez pas connu la galère un peu? Vas-y, oh. Je vais boire ça. Y'a pas, je vais boire. C'est lui qui est mort, je sais pas ce qu'il y a dans le corps. Je sais pas ce qu'il y a dans le corps. Dans 4 minutes, il est mort, ton gars. Ça, voilà, dis-lui, c'est bon, il va mourir. Allez, héros. Oh. Allez, héros, oh, quand même, là. Tariq, ta gueule, là. Je te dis la vérité, hein. Viens, Tariq, je te dis la vérité. Hashtag le maire de la ville, c'est fils de pute. Regardez combien on est. Regardez combien d'armes il y a. La vie de ma mère, on est organisé, on baisse tout le monde. Eh bah ben c'est bon Tariq, mais là tu vois bien qu'eux ils respectent pas, faut le tuer, c'est bon, c'est fini, c'est pas grave si on gagne rien. Parce qu'il faut laisser un message. Mais t'as vu quand tu perds 100 grammes, t'as bien le démon, et quand on va répéter 100 grammes, ils vont dire lui, ah ouais. Il veut qu'on le tue lui, parce qu'il veut qu'on le tue, non, il cherche ça. T'as pas compris, moi je m'en fous, mais le gars en face il veut pas venir, ça veut dire pourquoi ils s'en battent les couilles, ça veut. Ils s'en battent les couilles. Et ta mère, toi, on t'a pas parlé. Parle on pas, attend 5 minutes encore, 5 minutes. Je crois qu'il est en train de faire le plan du sec, ton boy là. Remets le voyon. Ouais, nouveau quartier, on va où? Tous les mecs debout, je sais quoi. Nouveau quartier, on va où? Bah, c'est toi qui dois décider. La vie de ma mère, regardez, venez, on se rapproche de Léon, du Queens. Vas-y, nouveau Queens. Vas-y, je vais trouver un endroit. On sait jamais, là, pas du gain. Sur la tête à ma mère, écoutez-moi bien, je vais reprendre son quartier. Attends, vite fait, attends. En plus, hier, t'as vu, on avait un otage à vous. Vous nous avez quand même pétardé, vous êtes chelou. Je m'en bats les couilles. Viens, attends, encore un peu, on arrive tous. Moi, je suis un petit, Il y a 3 minutes, dis-lui 3 minutes. 3 minutes, dis-lui. Dans 3 minutes, il est mort, ton gars Marco. Rajoute un peu. Non, on arrive. Il est mort depuis tout à l'heure, on attend. Ils peuvent pas agir sans leur chef. Un peu, on arrive. On doit attendre la vie à mère pour les balles et tout. En gros, c'est le préfet qui a les clés pour les balles et tout. La vie à mère, les couilles, dis-lui. Mais cousin, tu me crois pas, moi, je te dis la vérité, t'as vu. C'est mon gars là, t'as mon gars. Il aurait dit avant. Bref, dans tous les cas, je m'en bats les couilles. T'as deux gars, j'ai plus. Toi et ton gars, venez, et après, on verra déjà. Mais tu veux, je viens sans balles. Mais. Sans drogue. Dis-lui, on a son gars. Tu viens avec ce que tu peux sortir, cousin. Et après, on attend. Au nom de Dieu, là, actuellement, sur moi, j'ai deux balles. Au nom de Dieu. Mais on s'en fout, là. Vas-y, je pas, la mère, juste le temps. Allo, tu m'entends? Tu m'entends? Deux minutes. Dis-lui, deux minutes, le temps écoule. Dis-lui. Deux minutes, le temps écoule. Dis-lui, deux minutes. Juste un peu le temps que t'as eu, Paco, il finit le. Rajoute quoi? Rajoute deux, trois minutes. Arrête de dire ça. Dis-lui, deux minutes. On s'en bat les couilles. Deux minutes. Il te reste deux minutes. T'as vu, il finit juste son opération, il vient. Non. Y'a pas d'opération. Voilà, ça y est, là il va venir. Deux minutes, écrit par message, deux minutes. Le temps il coule là. Dis-lui tic-tac. Dis-lui boum boum. Tic-tac. Arrête de breaker, petite salope. Ouais. Eh, couteau, fais-le en freestyle. Vas-y. Ok. Je crois que tu vas me gonfler, fils de pute. Je fais pas de freestyle pour toi. Mais t'es bizarre toi. Je fais que si le King me demande. King, demande un freestyle à couteau, s'il te plaît. C'est moi, je vais faire un freestyle. Vas-y. Vas-y, je prends la relève. C'est quoi votre truc, vous? Raza. La Raza, ouais. Vas-y, fais au Pinel, comment je finis. T'inquiète, je vais commencer, les la gars. La Raza, vas-y, fais couteau. HK Raza. Il te pleurait, HK Raza.
HK. C'est nul, c'est nul. Vas-y, ferme ta gueule, écoute. Attends, laissez le commencer. Attends, les couteaux, on l'a jamais vu. Vas-y. HK Raza, bande de fils de pute. Vous nous avez pris un pétard. Ok. Ouais. HK, sur la Raza, on va faire caca. Pull up, allez, Opinel. Vas-y, attends. Ouais, la Raza. La Raza, on vous encule, on s'est fait péter. Léon, il a repris notre quartier. On est les reines des putes de tout New York. On s'est fait baiser. Oui, les CMV nous ont baisé. Et je veux le dire, le labo, il est au coin. Je dis tout, je m'en bats les couilles, je vais tout balancer. Bon, les gars, il est 5. C'est l'heure. La Raza, il est l'heure. Bon, vas-y, on arrive. On a à peu près 7 balles. C'est la Ligue des Ondes. Ils arrivent avec 7 balles à skip. Raza, je vais faire un petit skip. Le temps qu'il arrive, une minute, deux minutes, un max. Ligue des ombres. It's time. Et le King c'est Raza le ghoul. Et on baise la Raza. Raza. On va faire un ghoul pour le quartier. Ça va être pire qu'à Gaza. Quartier de salope. Bande de salope qui galope. On a grandi dans le gazon. On va vous faire gazonner. Espèce. Qu'est-ce qu'il y a à croire? On va faire gazonner. On s'est fait baiser. On s'est fait baiser. Vas-y, moi j'ai envie de pleurer. Je suis dégoûté. Les gars, venez, on chante tous en cœur. Vas-y, on a plus de quartier. Genre dans le rythme de. On a plus de quartier. On a déménagé. Mais on a déménagé. Mais on garde le sourire. Mais on a pété la Gaza. Garde le sourire. Voilà, on recommence. Ah, c'est le King, c'est le King. On a plus de quartier. Et moi, je quitte le quartier. Ah non, c'est moi qui quitte ta mère de pute. C'est pas moi qui quitte le quartier. C'est le quartier qui me quitte. C'est le quartier qui me quitte. C'est Léon qui nous a mené le quartier. Léon nous a raquettés devant un plat de tchèboudjène. Il nous a pris Léon, tout nous le quartier. De peine. Les HK, on se fait baiser. Un plat de tchèboudjène. Léon nous a fait casser le quartier. Il a pas de gosse. J'ai pas 40 ans. Ça va te baiser, toi, en vrai, la fourchette. Comment tu parles comme ça, King? Comment tu parles comme ça, King? Mais King, frère, c'est un ancien cousin, il traîne encore avec des petits, il se fait virer du quartier. Ouais. Regardez son rire. On s'est fait niquer de notre quartier. Notre quartier, il nous a baisé. Notre quartier, il nous a baisé. La sauce gruyère. Non. Maillé, faire des dégâts. Qui a dit on vient de New York. Tu crois que tu vas nous baiser, Tariq? On vient de New York. On habite à New York. Non, on dit pas. Vous connaissez tous. Oh, t'as vu la sauce gruyère? La sauce gruyère, elle est dans notre bouche aujourd'hui. Voilà. Yo. Vous venez d'où? D'Harlem. D'Harlem, à côté du Queens. Quelle rue exactement? Estoland, Estoland. Prends ta meuf en 6-9, ouais. Non. Non, t'es doux, toi. Mais frère, je viens de... Je te donne mon adresse. Il veut t'enculer, je crois, mais pour de vrai, il veut te baiser, Tariq, je crois. Non, là, ta ville. Ta Croix-Néra, Clermont, c'est bon. Tu crois c'est Chicago, quoi. Non, je te baise, voilà. Ah, il l'a dit, il est parti après. Ouais, arrêtez de rigoler comme des chuchères, bande de pute. Dis-lui que tu le baises. Il est où, marteau, t'as tout doux. Marteau, non, pas marteau, couteau. Couteau. Je connais pas, moi. Ah non, couteau. Je connais pas, mais ça y est, arrêtez, les gars, fais exprès, fils de pute. Ah, vas-y, arrête. J'ai craqué, mais vous allez pas. Pourquoi? Mais la J'habite à Bourges. C'est interdit. C'est ta gueule, couteau, fils de pute. C'est interdit, c'est illégal. C'est illégal de faire ça. El Raza, t'habites où? On va t'enculer dans la vraie vie, toi. Il mélange tout. On va venir chez toi, dans ta ville. Ah, vas-y, t'habites où en vrai? El Raza, t'habites où? Tu fais le crack en bas. Vas-y, t'habites où? T'habites dans quelle ville? Vas-y, arrêtez les gars, ça me part en couille. Un peu de sérieux, là, HK Gang, s'il vous plaît. Vas-y, un peu de sérieux, les gars. N'oubliez pas qui nous a ramené ici. Respecter, honneur, principe et valeur. Le King, ressaisis-toi. Espèce de suceur de bite, marteau. T'es un suceur de bite. Je suis pas marteau. La guerre, elle commence sur le terrain. Elle commence d'abord psychologiquement. Venez, on fait que d'appeler Léon. Et dès qu'il décroche, on raccroche. Attends, les gars, vous êtes prêts? On appelle. Dès qu'il décroche, on raccroche.
C'est le 0398 555-0398. Arrêtez les gars, on va se faire baiser là. Ma mère, j'appelle, regarde. Ils ont raccroché, il a raccroché, déjà il est occupé. Appelez-le 555-0398. Mais les gars, mais ils vont dans la tête. Mais les gars, c'est la guerre, il va pas savoir c'est qui les numéros, il va pas savoir. 555-0398. Il raccroche direct, Yo. Ouais, appelez. Regarde, regarde, il appelle rare couteau, mais couteau, t'es une... Arrête, coupe. Vas-y, là, on fait des blagues et tout, mais ce fils de pute, là, ils sont où, ces gars? Bachar, rappelle-les. Bon, j'ai capté. Bachar, rappelle. Ils appellent qu'on meurt de faim. Bachar, rappelle, appelle. Oh, la vie de ma mère, j'ai faim. Attendez. T'as dit quoi? La vie de ma mère d'attendre ça, ces fils de pute. Ah, il me rappelle. Ah, mais s'ils attendent ça, ils sont vraiment trop forts. Bah, raccroche. C'est pas le meilleur, limite, c'est on pas s'est fait baiser du quartier, du quartier. Qu'est-ce qu'il y a? On est vraiment des salopes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis trompé. Je te jure, c'est déjà arrivé, je te jure. Gros, c'est arrivé, mais pourquoi ça m'a le quartier, il est putain de fini. C'est grave, je vais monter dans un putain. Lucas, c'est comment? Attends, Bachar. Je vais monter dans un coup, je vais me suicider. Il m'a dit 2 km. Vas-y, à 12, il est pas là, la tête de ma mère, je le tue. La vie de ma mère. Après, là, on FaceTime. 12, hein. Il est 10, à 12, je le tue. Frère. Vas-y frère. On est là. On est là. Il se fait voler notre quartier. C'est vrai avec ton pantalon à deux trios. J'ai grand soin sa grand-mère. On s'est fait vraiment baiser les gars, on est là. On s'est fait déloger. On a plus... Là je vais dormir par terre ce soir. Mais c'est réel, on s'est fait déloger. Il fait quoi lui? Tu fais quoi toi? Chez nous. C'est rien les gars, sans barrio fixe. Bah c'est là ce soir on va tous dormir dehors. Venez. Ah le prochain HK qui. Ah le prochain HK qui fait chauffer, un couteau. Qui fait trop du cul, il se fait fumer, c'est bon? Comme ça c'est carré, vas-y allez. King, à 12 on le tue hein, s'ils sont pas là. Ils ont dit 2 km, normalement t'es là direct. C'est qui qui a le couteau? C'est qui qui a le couteau les gars? Ah bah c'est moi. Ok, vas-y attends. Vas-y prenez des positions là, position les HK. Vas-y attends, vas-y décroche. Allô. Couteau. Allô. Oh, vas-y, rappelle. Vas-y, baisse ta mère. Rappelle, je suis là, la viens là, j'arrive. Bah, nique ta grand-mère la pute, toi. T'es où? Vas-y, tue-le. J'arrive, la viens là, j'arrive. Un kilomètre, au nom de Dieu. Attends, il a écrit un kilomètre, la vie de ma mère. Vas-y, reste au téléphone. Vas-y, j'arrive. Vas-y, Kemas, couteau, prenez des positions, tout le monde. Ah, je reste ici, t'es mort de rigole. Kemas, prends un kilomètre. Je suis en voiture blanche. C'est bon, les gars, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Allez, c'est bon, arrêtez. Ça dit quoi, toi, bien? Nique ta mère. Combien de temps là, dis-lui, combien de temps il est où? Quoi, bien, allô? T'es où, combien de kilomètres? J'arrive là, 600 là, BMR 600. 600, vas-y. T'as abusé là, c'est trop long. Au milieu. C'est un parking? Ouais. Quoi, vous? Eh, jour au nom de Dieu, tu vas pas me niquer ma mère, moi aussi? Allô, sale pute. Vas-y, jure, je t'en parle. Vas-y, qu'il fasse vite là. Allô? Mais c'est qui parle là? Je suis dans un tunnel. Mec, go tel, c'est mec, go tel. J'ai mis le pari. Ta gueule, hein. Ouais, mais le pari était devenu grave fort à un moment. Allô? Il rigole. Ouais. Parleur. Oh, mais cousin, rentre! Viens, hey, frère! En fait, je suis en panique. Vas-y, si j'y viens pas, vas-y, tue-le. Vas-y, mais regarde, il va venir, il va le trouver mort. Vas-y, tue-le, sa mère la pute. Vas-y, bah, c'est vous. Écartez-vous. Préparez-vous à tirer quand ça sort. Écartez-vous tous. Tiens, fils de pute. Voilà. Vas-y, venez, on attend. Finis-le, tu l'as pas fini. Vas-y, tranche-le, sa grand-mère. Écartez-vous. Voilà. Défoule-toi, coupe-le la tête, King. Coupe-le la tête. Ah, sa mère. T'es à quel étage, toi? C'était au deuxième, mais ta mère la pute. T'es à quel étage, ta mère la grosse pute? Elle est où? T'es drôle, toi, vas-y. Espèce de sale. Vas-y, monte, on va les braquer, montez, sortez vos armes. Montez, on va les péter. Les gars, voiture blanche. Allô? Ouais. T'aurais pas dû décrocher, t'as pas ton arme là maintenant. Dans tous les cas, il fait que de m'appeler. Là, ils sont où là? Je sais pas. Mais pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Moi, je craque sa mère la pute. Ouais. J'ai pas compris. Allô? Ouais, allô? Ouais. Hey, dis-moi, t'as vu hier? J'avais un otage à vous. Pourquoi vous m'avez tiré dessus, bande de bâtards, va? Demande son numéro. Je vous baisse vos mères. Allô? Viens, on va traquer dans leur quartier, non? Ouais, mais je crois qu'ils sont à l'hôpital. Viens, tourne autour de l'hôpital. Vas-y. Le numéro c'est. Non, vas-y, j'ai arrêté de lui parler. Vas-y. Sors ton arme. Attends, le numéro c'est 0483. C'était pute, va. Et voilà, il me fait le truc avec sa petite voix de salope. Il m'a insulté dès qu'on l'a planté.
Fils de pute. Ouais, la vie de ma mère, c'est quoi ça? Avec sa petite voix de pute là. Qui pèse ça avec grand-mère? Frère, moi, je veux bien, tu crois que t'es chaud, mais t'es nul. En fait, je les connais, les gars. Moi, ça qui m'éteint, frère. Dispositif logiciel, dernier cri, les gars. Même pas ce saut, moi, je m'en branle. Je joue, frère, on voit bien, moi, je joue en mode sur ça, en mode rigolade. C'est ça qui m'éteint, moi. Oh, shit. Bonjour. Bonjour. Je vous demanderai de pas sortir de téléphone pendant le long du trajet. Oui. Très bien. Vous appelez comment? Je m'appelle Tariq. Tariq. Et comment vous allez aujourd'hui, Tariq? Ouais, ça va comme un... Bah, je vais bien. Vous allez bien? Ouais, je vais bien, super. J'ai fait mes petites affaires. Petites affaires? Vous utilisez du crack? Non, les... Je vis des... Sur la coke, un peu. Ah, de la blanche, pour changer. C'est ça. Mais c'est compliqué un peu, parce que j'ai beaucoup d'ennemis et j'ai pas de quoi de me... Enfin... J'ai pas de quoi de me défendre, quoi. Et oui, je parle... Non, mais dis à ça. C'est pour ça que... Bah, j'ai oublié son nom, il m'a mis en relation avec vous. Parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait être une solution. Bah, c'est pas vous le boss. Non, moi je suis qu'un simple intermédiaire. Oui, putain, mais c'est qui le boss alors, frère? Bah, je... Curieux de voir le boss alors, hein. Ah, dis ta bichouche dans une vraie scène et je finis, j'arrive. Moi je... Bah à la base j'étais du nord de Manhattan, mais on a été viré de notre quartier, donc pour l'instant je sais pas. Par quoi? Par la police? Non, par les mecs de Trenton. C'est ça. Des embrouilles de quartier, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais en gros, vraie scène, en gros, une vraie scène où je peux pas arrêter, quoi, vous m'avez compris. Wesh, combien de fois je suis venu ici, moi, à foutre... Ah non, c'est juste un rendez-vous. Je vous laisse ici, je vous attends. Je crois que je me mets BG. Bonjour. Bonjour. Mais bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, ouais, très bien, très bien. Bien, très bien. Vous... Bah, enchanté, dites Tariq. Enchanté, Ocho. Les gars de la DECAT, ils m'ont mis en relation avec vous pour... Parce qu'il m'a dit que vous pouvez être une solution pour moi et mes amis pour s'en sortir. C'est qui tes amis? C'est deux gars à moi, des amis, je pense pas que vous connaissez. Et c'est aussi les HK. Les HK? Ouais. Ok, très bien. Et pour savoir qui est en face de vous? Bah normalement vous êtes quelqu'un qui a du matos à revendre. Quel genre de matos? Il a un tatouage sur le visage. Des munitions, des armes et peut-être d'autres choses, hein, je sais pas. Mad Boy, merci mon frère. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est ça, je vends des munitions, des armes. Et
Dis-moi, pourquoi je devrais t'en vendre? Tu ne connais pas au fond. Même si les Descartes, ils t'ont recommandé, genre... Aucun fait d'armes, je connais pas ton palmarès, je sais pas qui t'es. Je peux vous donner mon CV de la street, si vous voulez. Mais vas-y. Ah, c'est pis, j'ai faim, mais les gars, j'ai pas demandé à manger, c'est la honte. Oh bah, j'ai braqué un convoi, là récemment, hein, c'est récemment, j'ai braqué un convoi de la police, et j'ai volé des armes. Et j'ai braqué le casino. Ça m'intéresse, t'as volé des armes à la police. Quel type d'armes? Oh non, par contre, c'était trois Beretta. Ah, ok, une petite quantité. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et dis-moi, il te faudrait quoi, là, à l'instant T? Il me faudrait... bah, tout ce que vous avez, beaucoup de munitions, et après, bah... à vous de voir ce que vous pouvez me proposer. Moi, je suis ouvert à tout, je peux être votre homme à tout faire. Vraiment, je peux tout faire. Actuellement, on est dans une période assez difficile. Les douaniers sont beaucoup plus difficiles à corrompre. Donc j'ai beaucoup plus de matos qui se font saisir en ce moment. Du coup, il y a une pénurie. Mais t'as de la chance, il me reste un peu de marchandises. D'accord. Tu serais intéressé? Ouais, clairement. Je peux juste aller voir votre homme derrière, deux petites secondes. J'ose pas vous le dire à vous. Je reviens. Vas-y. Et s'il vous plaît, monsieur, vous avez pas à manger, s'il vous plaît. C'est urgent. Merci. Merci beaucoup. Désolé. Du coup, oui, bien sûr, moi, j'ai un peu d'argent, j'ai aussi beaucoup de pièces d'or et un diamant. Et je ne sais pas quoi en faire. Ça, sur les pièces d'or et les diamants, je ne saurais pas t'aider, je n'ai pas de contact sur ça. Ça ne m'intéresse pas, donc je ne m'en occupe pas. D'accord. Et au niveau de l'argent, tu as combien? J'ai entre 20 et 50. Oui, tu auras assez. Sache que vu qu'on est en pénurie, je n'ai que des munitions à te proposer. Ouais, bah, il me faut le maximum, vraiment le maximum. Vas-y, dis-moi 100. Je regarde dans 100 balles, s'il te plaît. 100 balles. S'il te plaît, vraiment beaucoup. C'est pour tout un quartier affamé qui a plus rien, plus de quartier. On a été viré par les gars de Trenton. On est vraiment les putes de tout le monde en ville, alors qu'on est normalement, on a les mains faites pour régner dans les rues. Mais après, ça c'est pas mon problème. Mais là, on branle les rues. Ouais, mais on peut être vos hommes, monsieur Ocho. On peut être vos hommes, les gars du terrain qui sèment la terreur pour vous, qui salissent. Vous crèchez où, vous? C'est dans le Manhattan. Bah là, on n'a plus de quartier, on a été viré ce soir. Par un autre quartier, ils nous ont viré de notre quartier. Ah bah, je suppose que vous avez trouvé un quartier de... Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé encore. Ok. Mais actuellement, j'ai que 3 chargeurs pour toi. Oh. Chargeur qui contient 12 balles. Putain, c'est pas possible. 5, monsieur Ocho, s'il vous plaît. Non, je serai pas. Putain. Je t'ai dit, il y a une pénurie en ce moment. 36, vas-y frère. D'accord, on va faire avec. C'est à prendre ou à laisser? Ah bien sûr, je prends, bien sûr. Et pour combien? 5000 unités. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais comme je t'ai dit, c'est la pénurie. L'offre et la demande. Et moi, j'ai entendu que c'était dans les 1000 dollars. Oui, au début. Mais vu que c'est une pénurie, malheureusement, le prix a augmenté. D'accord, ben je prends.
T'as l'argent sur toi ou pas? Non. Je peux ramener quelqu'un ou... Non, non. Je vais... Sigo. Viens, s'il te plaît. Va voir ces quatre et dis-lui d'accompagner le monsieur à un distributeur. Wesh, 15 000 Nick Zabi, frère. C'est combien qu'il vous a demandé hein? 15 000, hein? 5 000, ouais, 15 000 dollars, c'est ça. C'est beaucoup, hein? Ouais, effectivement. Après, je vais peut-être porter garant. Comment ça? Peut-être me porter garant, mais c'est pas gratuit. Je suis votre homme, je fais tout ce que vous voulez, vraiment. Vos ordres sont mes désirs. Tout a un prix. Mon corps, je fais ce que vous voulez. J'ai un service. Dites-moi. À te donner. Oui. Et en échange, je peux peut-être parler à mon boss pour que t'aies un rabais. Dites-moi. Un certain pourcentage. Mais tu vas devoir faire un truc pour moi. Je vais le faire. Tu pourras le faire. Oui. J'ai pas mal de problèmes en ville. C'est pour ça que je suis un peu en voyage ici. Mais les services peuvent aller de haut en bas, tu vois le truc. D'accord, dites-moi. Je peux très bien te demander de buter un politicien. Quelqu'un qui me fait de l'œil. Ou alors je peux tout simplement te demander de me faire une livraison. Ça peut aller du tout en bas. Ouais, mais ça, je t'en reparlerai au moment venu. Et très bientôt. Pas très proche même. Parfait. Donc tiens-toi prêt. D'accord. Tu marches ou tu marches pas? Je marche. Très bien. Ouais, il est chaud. Tu montras dans le véhicule, après je prendrai ton numéro. Parfait. Hey, Paradulu Bailar. Autant en bas, je crois qu'il voulait que je le suce ou je sais pas ce qu'il voulait que je fasse. Attends le véhicule. T'es mal la gueule des staffs aussi qui sont en voc avec lui, mon frère. Wallah, c'est je crois ça. Enfin, je dis pas ça méchamment, mais c'est que frère, c'est des joueurs. Zebby, tu le croises, tu te dis. Il joue pour rigoler, lui. T'es mal, mais en fait, c'est bon, je crois même plus le truc. Ok, vas-y. Wallah. En fait, c'est une bonne nouvelle. Je me disais, ouais, c'est pas possible, frère. Je suis en train de péter ma tête. J'ai capté. Wallah, c'est les oranges. C'est les oranges, les staffs. Mais va dormir. Non, mais je me disais, frère, parce qu'il faut vraiment être fou pour eux. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a les oranges, vous vous rappelez pas? À l'ancienne, sur Flashback, les oranges. Hop, on se mange un petit granola, la famille Glia ou quoi? Tu peux aller le voir, hein. Je t'attends dans le véhicule. Oui. Bon, j'ai l'argent. Mette avec.
J'ai mon homme qui vient de me voir là. Il m'a demandé une faveur. C'est ça, c'est une de leurs strates de faire des trucs comme ça. Je lui ai demandé s'il voulait se porter garant pour toi. Il m'a dit que oui. C'est ce que ça implique. Ouais, c'est que je dois être loyal. C'est simple. Tu fais de la merde. C'est toi et lui qui prenez. D'accord. Tu vas devoir un service à lui et à moi. D'accord. Vas-y, donne-moi 6000 dollars pour les trois chargeurs. Paladoulou Bailar. Tiens, BG. Merci beaucoup. Vas-y, les gars, on a 36 balles là. Ah, si. Ok. Tiens. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est une technique, mais c'est incroyable. N'oublie pas, fais pas de la merde. Non, je... Ça me ferait vraiment chier de buter un de mes meilleurs hommes. Non, vous inquiétez pas, je serai droit. Et va. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est stylé, hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, c'était ce que tu voulais. Ouais, mais il m'a dit que si je me loupe, il vous tue avec moi. Je suis porté garant pour toi. Ouais, mais c'est pour ça, moi j'oublierai pas. Moi je suis pas quelqu'un qui oublie, qui crache sur la soupe. Il y a intérêt. Alors vous allez faire couler le sang dans les rues avec tout ça, hein? Ouais, je vais essayer en tout cas. Hein. En vrai, cassez-vous pas la tête, hein, déposez-moi où vous voulez, hein, juste même ici, c'est bon. Ici. Ouais, parfait. Je vous laisse mon numéro. Ouais. C'est le 555-0262. Attends. 555-0262. C'est bien ça, hein? C'est ça. Très bien, c'est enregistré. Parfait. Écoutez, vous m'appelez quand vous voulez, hein. Ouais, Darek. Oui. N'oublie pas, quand je t'appelle, tu as intérêt à être là. Ouais. Sinon, c'est ton corps qu'on trouvera dans un sac mortuaire, c'est clair? C'est clair. Bien, bonne soirée. Au revoir. Il met de pression, hein. Pour se faire une passe, mon négro, j'ai dû jouer des coudes. Un pied dans le jean, mais je suis toujours tenté par les genoux. Mental de gamin,